Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce petit stream pas piqué des hannetons d'Amour Sucré, où je vais découvrir Amour Sucré. Je n'ai jamais joué à Amour Sucré. Je ne connais pas. Je vois des noms passer dans le chat, je ne sais pas qui sont ces personnes. Je suis une team boomeuse, comme ma chère Fluff. Comment vous allez bien? Bonsoir à tous. Putain, je vois que ça utilise l'émote fiac à bon escient, c'est-à-dire n'importe quand. Bonsoir à tous, bonsoir. Comment vous allez bien? Bonsoir. Je vous accueille avec mes cheveux mouillés et ma plus belle culotte. Oui, les amis, c'est comme ça qu'on accueille ses amis. J'y vais, mais comment vous allez bien? Oh my gosh, les applauses qui vont réveiller mon bébou, enfin je sais pas s'il dort déjà, mais bon escient, le fiac, ça marche toujours. Comment vous allez bien? Putain, on lit à peine le chat, c'est un plaisir, c'est un bonheur, mais on voit les émotes fiac, c'est ce qui compte. Merci Mushroom, ça fait longtemps qu'on t'avait vu, comment tu vas? Comment vous allez bien? Merci Terra, merci à tous. Est-ce que vous êtes chaud pour ce soir? Écoutez, c'est simple. Coucou Terra. Je me suis fait un petit sex on the beach. Sexe sur la pétasse. Comme ça, le message est passé. J'ai pris des petits bonbons. Comme ça, le message est passé également. Et puis c'est parti quoi. Kakou kakou Cory, comment tu vas? Oui, il y a plein de trucs nouveaux. Grim, comment tu vas? Il y a plein de trucs nouveaux. J'ai entendu Sex on the Beats. Ça marche, hein, en vrai. Yélé, comment tu vas, ma vida? Yélé, je t'ai vu refollow la chaîne. J'étais en mode, bah, elle était passée où, Yélé? Comment tu vas, ma bébou? Merci beaucoup, ma Yélé. J'arrive pas à vous dire bonjour à tous. Vous êtes trop. Vous êtes trop on fire, en fait. C'est ça qu'elle est en train de... Elle vous reproche d'être trop on fire. C'est bon pour vous? Vous avez autant le fiofia que moi ce soir. Je vous jure. Mais oui, il y a plein de petites nouveautés, c'est vrai. Il y a des nouvelles émotes. Elles sont toutes animées. On a 6 ou 7 ou 8. Je suis pas là. Je suis pas souvent là, c'est grave. Bah, pas du tout, puisqu'on va commencer à jouer pour la première fois. Merci, Tom Wistai. Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on t'avait vu. Merci pour ton prime. Ouais, les émotes Barbie, elles sont là depuis un petit moment quand même. Ah, mais elles étaient niveau 2, je les ai passées niveau 1, c'est ça, j'ai dit. Coucou Sandel, comment tu vas? Je suis prête à me lâcher ce soir, je vous préviens. Attends, tu te lâches pas tous les soirs? On aurait loupé un truc, là. Ça va pas bien, Tissem? Justement, j'allais parler de ton compte à toi. L'agression. Mais Tissem! Mais pourquoi? Mais Tissem! Mais non! Mais non, mais je refuse! Le train. Regardez-le, ce pauvre monté dans son train. Va entrer en gare, voie 10. Mais Tissem, de la bordure du quai, s'il vous plaît. Merci infiniment Tissem. Il faut sachez que Tissem, les gars, vous cliquez tous sur son petit pseudo et vous allez la follow parce que madame stream. Et merci beaucoup Agathe, comment tu vas? Merci. Tissem stream et très bien s'il vous plaît. Elle streamait Baldur's Gate cet après-midi. Elle a une voix angélique, un visage bah, tout aussi angélique, franchement, c'est une beauté fatale. Elle est adorable, elle est trop mignonne, elle est drôle, elle joue bien. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Allez lui donner du love à notre Tissem bébou d'amour. Vraiment, j'ai pas été là beaucoup. Merci beaucoup, Wizard. Merci beaucoup, Rouge, vous êtes trop chou. J'ai pas été beaucoup sur le stream de Tissem, mais c'était un pur plaisir. C'était une pure soirée, comme on dit. Et merci beaucoup, Tissem, pour les 10 savoir faire. Merci, Fluff, Sex on the Baby Bits. Oh, ouais. Bah, oui. Oui, Gigi, Tissem stream. Ah, en plus, on a parlé de toi cet après-midi, ma vie. On a parlé de toi, Tissem nous disait ses petites safe plays, ses petits streams qu'elle aimait beaucoup. Et tu étais dans la liste, et à juste titre. On va faire quoi? Eh bien, tout est dans le titre. Ce soir, c'est soirée pige. Ce soir, je découvre Amour Sucré. Je suis passée à côté en tant que grosse boumeuse de 1993. Yélé? On se bat? On se bat quand? Ah, je vais en découdre avec vous ce soir. Merci beaucoup! Merci Morgane! Merci beaucoup Yélé! Vous êtes tous incroyables. Mais vous êtes chaud patato là! Ouais, vous faites le show ce soir.
Bon, d'abord, ça fait chaud au cœur avant d'avoir chaud au fiac. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a chaud au cœur avant d'avoir chaud au fiac. Et pourtant, pourtant, Dieu sait qu'on va avoir chaud au fiac. Merci, Lunatiquement. Mais vous êtes trop chaud, mais... Hello! Merci pour Loane, qui vient d'arriver. C'est incroyable. Merci infiniment. Niveau 5 du train de la Alpe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis contente que ça vous fasse autant plaisir. Lutti! 17 mois. Coucou mes petits loves, mais OMG, regardez mon nombre de mois d'abonnement. C'est une dinguerie. De cette soirée, ce sera de la découverte pour moi aussi, sweetie, mais je suis on fire. On fire. Tiens, attends, 17 mois d'abo. Mais c'est une dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie. Mais rouge, merci infiniment. Merci beaucoup. Vous êtes trop chou. Arrêtez, on va pas commencer la soirée amour sucré avec de la chialade. Et vous... Lunatiquement, merci pour ma relève. Mais non, mais Lunatiquement. Mais vous êtes trop chou. mais vous êtes trop chou. Et merci Mary. Depuis 5 mois de love. C'est le 29 février qui vous... Cette date est quand même particulière, quoi. It is Poudlard Express. Alors, je sais pas ce que c'est, mais on y va. On monte dans le train, a priori, là. Niveau 5, en plus. On est parti à toute berzingue. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup, Tissem. Hello, Manon, comment tu vas? T'arrives toujours au bon moment, Manon. Toujours. Vous êtes des dingos. Vous parlez comme des fous. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. Mais Tissem, t'avais un abo offert par Coco. C'est trop... Tu vois, la boucle, elle est bouclée et tout ça. Oh, Yelle, t'es trop chou. Merci infiniment. J'ai attendu cette soirée trop longtemps, je craque mon slip. Mon slip. Tu m'as dit quoi, Léa? Tu disais pour les Sims, c'est valable jusqu'à quand? Je crois que c'est début mars. C'est bientôt finoche. C'est bientôt finoche. On se gâte. On se boucle la boucle et tout. J'adore. Pas trop de sucre sans moi. Je vais récupérer ma mini moi. Ça marche, NJ. J'arrive plus à suivre le chat. Moi non plus. Vraiment, c'est la décadence. C'est vraiment la décadence. Merci infiniment pour tout le love. Et merci pour le train de la hip. Vous êtes des fifous. Là, ça va super bien. J'ai tellement hype. Oh, trop chou. Vous êtes trop chou. C'est contre nature. C'est contre nature, tout ce train de la hype. Ça va, nous, on adore la contre nature. Donc, tout va très bien. Merci, Popo Popo. Merci, Popo Popo Popo. Oh, comment tu vas? Merci à tous, vous êtes trop choux. Attendez, j'ai loupé trop de messages. Je voyais un message. Valky Queen, t'es là ma Valcoche? Je t'avais pas vu. Attends, Valcoche, il faut que ça s'enlève. Il faut que ça s'enlève, ce surnom. Il faut arrêter, Valcoche. Rouge, ma vie, ma soulmate, que fais-tu? Merci pour les awards, vous êtes trop choux. Qu'est-ce que vous faites en fait là, genre? C'est amour sucré? C'est le 29 février? C'est quoi? C'est quoi? Dites-moi tout. Merci Morgane, merci infiniment. Je vais prendre une petite gorgée de Sex on the Beach, je crois que je l'ai mérité. Valcoche, ouais, moi aussi ça me heurte. Je sais pas. C'est en plus, j'ai un truc. Ma mère m'a. Mais Coco! Mais vous fattez quoi ce soir? Maintenant que vous me laissez en placer une. Merci Coco pour les 10 subs offerts. Hein. Merci beaucoup. Attends, j'ai même. Mais Thaï, ça va pas bien? Mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais oh! Non. Allez! J'ai tellement de chance de vous avoir, de... Vous êtes tellement mignon, tellement gentil, tellement chou, tellement je vous aime en fait. J'allais raconter une anecdote, vous m'avez coupé la parole, super. Mais merci infiniment. Attends, ça dit quoi, Yélé? C'est l'année bisexuelle qui nous met dans cet état. C'est ça, la fameuse. Putain, mais vous êtes trop chou, merci infiniment. Craquage total, mais vraiment. Mais merci. Choc barre de ouf. T'as dit les termes, Camille. Et merci, Mary. Oh, mais c'est trop chou. Je sais pas si le 29 février porte chance, mais malgré l'échec de mon oral, mon alternance est maintenue, mais au lieu de faire un an, je fais 2 ans. Ah. Et je suis contente parce que des bonnes nouvelles et des bonnes vibes pour cette fin. Ouais, et une bonne soirée en perspective avec les Capandor. Merci beaucoup, Morgane, mais vous êtes trop chou. Ça part en cacahuètes, l'hypothèse de mignonnette.
Ça part en cacahuète slipos. Morgan, j'y fais fait. Merci ma Lutile. Oh, t'es trop chaud. Je suis trop contente de vous retrouver. Vraiment, ces derniers jours ont été compliqués et j'ai le moral qui remonte déjà en flèche grâce à vous. Oh, câlin si consenti, ma Lutile. Mais... Ça craque les slipos et les fiakis ce soir. Et les fiakis, ça va craquer du fiac. Tout lui rappelle son ex, c'est ce qu'il va nous dire Grimm, attention. Mais rouge! Merci pour The Miss Low! Vous êtes tellement mignon. Ce soir, elle est sous le signe de l'amour, mais de fou, lunatiquement. Merci, Mary! Le Love Valley, soyons fous, on régale. On régale. Mais oui, vous régalez. Merci pour tout votre soutien. Merci pour tout votre amour. Vous êtes trop chou. Merci infiniment. Et bienvenue, Kokula! Est sous le signe de l'amour. L'amour brille sous les étoiles. C'est gratuit, c'est le karaoké que vous aviez demandé. Voilà. Maxi rigolade chez les Capanzor et Maxi karaoké également. J'ai pas l'habitude de venir. C'est que la deuxième fois, mais vous êtes trop chaud. Oh, t'es trop chaud, Morgane, merci infiniment. Tellement de pitié tout me rappelle mon ex. Je l'attendais celle-là. Allez, va béné, ma béné, c'est bon. Léna, comment tu vas? Putain, Léna. T'es là pour Amour Sucré, dis-nous tout. Et coucou ma Célé. Et coucou Chandelle. Je t'ai dit bonjour Chandelle. Comment tu vas? Ah, en plus à Est. Bah, j'en étais sûre, Léna. Voilà, j'étais sûre. Il faut sacher. Merci la Kali de nous faire trop gollerie. C'est toi, tu me fais trop gollerie. Merci Hello pour Léna. Mais. Les gars, non mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Attends, nu sub Léna, plus 40? Hein? 40 subs là ce soir? Mais vous êtes pas bien? J'ai envie de vous engueuler. Non mais... Ah oui, mon Igral! C'est vrai, je l'avais mute un petit peu, je sais plus pourquoi. Désolée Igral, si vous passez par là, excusez-moi, c'est le Sex on the Beach, pardon. Merci Mary pour sceller. Mais OMG! OMG! Mais. C'est quoi? C'est quoi la suite là, les gars? Je t'ai plus parlé, moi! Merci infiniment pour tout votre soutien, pour tout. Merci infiniment pour tout. Vous êtes trop chou. Je vais pas pleurer! Ça va, hein? Non, ouais, la SNCF en sueur, j'avoue. Nadino is back. As mérité, my queen. Normalement, ça m'oursure que la suite, mais prends ton temps. Oui! C'est coït salé, comme dirait Grimm. Du coup, le lien Graal fonctionne que pour les inscriptions. Si on a déjà un compte, on ne peut pas... C'est ça, Jashana. C'est inscription. Merci beaucoup, lunatiquement. Merci beaucoup. Merci pour ce train de live de fou. Et oui, vous avez parié sur qui va faire pleurer Capons. Je pense que c'est ça, hein. C'est pas loin, mais on va passer outre. Mais c'est, t'as une deuxième adresse qui traîne. Je t'ai regardé les machiavéliques rouges et coco, là. Machiavéliques, mais elles ont raison. Elles ont raison. On a tous au moins deux adresses. Elles ne sont pas venues ici pour souffrir, hein. Il y a un petit concours d'alarme. Non, en vrai, ça y est, moi, je pleure plus, hein. C'est bon, hein. Merci infiniment pour le train de live, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup, beaucoup, trop de love, juste trop de love, merci infiniment. Mais Gigi, ma vie! Merci beaucoup, ma Gigi! Je pleure plus, elle a dit. Bah, tu m'as vu pleurer récemment, Quitties? Oui, la semaine dernière, mais je te parle de cette semaine. J'y vais fait. Merci, ma Gigo d'agneau! Merci beaucoup, ma vie, vous êtes trop chou. Vous êtes trop trop chou. Attendez. Attendez, j'ouvre Amour Sucré. Par contre, ça me déboîte que ça s'appelle, que le perso s'appelle Sucrète. Hein. Il faut sachez, là, c'est trop ce mot. C'est trop ce mot. Je suis en ambivalence avec. Ouais, je ferais mieux de worker. T'as raison. Ça s'appelle Sucrète. Bah, en fait, le personnage, c'est une sucrète, si j'ai bien compris. Genre, t'es un sucré, une sucrète. C'est bien ça? Le perso s'appelle Stevia. Il s'appelle Lynn de base. Ah bon? Bon,
on peut la renommer de toute façon. Parce qu'il faut sachez que moi, j'ai même pas créé mon compte moi-même, c'est Coco qui m'a créé mon compte. Sauce sucrète. Ouais. Je suis plutôt salée, mais je reste. Ma salette. On l'appelle Soso sur le jeu de toute façon. Oui, c'est Soso dans ses jeunes années lycée. Vous le savez, elle nous a embarqués à la fac avec son crush et son groupe de musique, sur son groupe de musique. Elle nous a emmenés à son internat en médecine, où elle a pécho dans les vestiaires. Elle nous a également emmenés en Tanzanie, où elle a vu le serpent de Jarod. Enfin, elle l'a aperçu en tout cas. Elle a entendu frétiller. Et cette fois-ci, Soso nous emmène dans ses aventures de lycée. Et on verra si la culotte à pois, de l'autre côté, la culotte à pois du gros rocher de Jarod, a autant craqué dans ses années lycée que dans ses années adultes. C'est-à-dire très peu, finalement, parce qu'on a, on a vraiment galéré à pécho. Minnie a perdu sa culotte. Ouais, Minnie a perdu sa culotte, ouais, c'est ça. La faute à Mickey, chibébé. Chibébé. Alors, attendez, comme... les nouveautés ne sont pas de... Comment on dit ? La coutume des nouveautés. Les nouveautés ne sont pas d'une plate coutume. Bref, il y a plusieurs nouveautés également. Du coup, je vais laisser... Alors là, le chat, il n'est pas très visible parce que j'ai laissé écrit en blanc. Je suis une bouffonne. Mais on va avoir le chat écrit sur l'écran avec notre sucrète. Et ça, c'est génial. Attendez, je passe en full screen. Je crois qu'il y a de la musique in-game. Donc, il faudra que je coupe la musique à un moment donné. La musique Epidemic Sound. Mais regardez-moi bien, c'est magique. Voilà. Putain, le chat est un peu gros, par contre. Le chat est un peu gros. Il n'y a pas de souci, on va régler ça de ce clic. Je suis une professionnelle. You better work, bitch. Paf, regardez-moi ça. Parfait, non ? Comme ça, sur les rediffs, on pourra quand même voir vos grosses conneries affichées à l'écran. Est-ce que c'est pas magnifique ? Bah alors, le chat, on a bien mangé à la cantine. Le flashback. Mais tu sais que je n'ai même pas joué à ça et j'ai malgré tout un flashback. Parce que juste la gueule de l'interface, en fait. L'interface, ça rappelle vraiment les années 2000. Hein. Coucou, 6 sous, 2, 1, 3, 3. Comment tu vas? Les réactions des capons. Ah ouais, non, mais mes réactions, ça va être épique. Hein. Il faut sachez que je n'ai rien vu. Voilà, évidemment, je suis au courant que Linka joue, que Ultia y a joué, etc., etc. Mais je n'ai pas regardé Let's Play, etc. Même là, en préparant un peu le truc, j'ai pas voulu... spoiler quoi que ce soit, pour bien me garder la surprise. Je ne connais pas leur nom ni rien, tu vois. Me jouer en cachette à 11 ans, putain. Mais où tu trouvais les... Parce que c'est payant de ouf, ça, non ? Ouais, dans le thème. Alors, bon, des fois, je me décale. C'est sorti quand, ce jeu ? T'as envie de découvrir aussi Gigi en stream ? Trop bien. Découverte totale, tiens, trop bien. 2011 mais j'étais une grande adulte, moi, c'est pour ça. Ah ouais. 2011, j'étais à la fac, les gars. C'est pour ça. Enfin, j'aurais pu y jouer à la fac, en vrai. Mais je suis passée à côté de l'effet de mode collège-lycée, quoi. C'est ça, le truc. Bah là, ta coupe ou je rêve ? Bah du coup, Soso dans sa jeunesse, c'était moi en fait. Attendez, soit on peut lui mettre cette coupe-là, soit celle-là. Mais les petites bouclettes, c'est choupinou, non ? Ouais, nous, on était déjà des grandes adultes, hein, Steph. Moi aussi, je me suis remise adulte alors. Ah bah oui, non, mais je veux dire, moi, j'étais passée à côté parce que vous parlez, ah, oh, je joue en cachette chez mes parents et tout. Voilà, c'est la comparaison de ça. J'ai commencé début 2001, my god, je viens de vivre d'un coup. 2011, j'étais en primaire. Ouais, l'année du bac, 2011, t'as raison. C'est ça, c'était l'année du bac. On n'était pas encore à la fac, c'était l'année du bac. Première coupe, c'est la plus jolie. Ouais. Attends, il y a la musique du jeu, là, ou pas? C'est pas la musique du jeu, ça. Mais attendez, il n'y a qu'un moyen de le savoir, hein. Je vous le dis, moi. Attends, échappe. Il y a la musique, là, dans le jeu? J'entends rien. Il n'y a pas de musique pour l'instant, gars. Putain, c'est terrible, ça. Vas-y, repars, ma belle. Ok, donc on choisit les bouclettes. Quelle couleur ? Elle est brune de base, hein. 6 ans en 2011. Plus cher. Plus cher. Prochain lave, ma bimbo. Allez, hein. Pourquoi pas.
Tiens, le modèle. Ouais, elle est brune. Oh my god, mais what the heck? C'est moi, ça. Petit regard ténébreux. Si je choisis ça, elle est toujours en train de faire un clin d'œil? C'est une dinguerie. Vas-y, choisis celui-là, elle est un peu en mode... Oui, elle me dit. Oh putain. Ok. C'est quoi? Couleur des yeux. Ce soir, elle a les yeux, quelle couleur? Vert, je crois. C'est quoi, elle avait dit ça, je crois, dans sa fanfic. La sucrète triste, la sucrète en colère, la sucrète sans émotion, la sucrète qui ne sait pas bien dessiner ses sourcils. À te dire, cette coupe plus courte, ça va super bien être un crèche. Oui, je faillote. Oh, ma Gigi, merci ma vie, t'es trop mignonne. Sorte de vieux, mais maintenant c'est un repère à gens mauvais. De quoi? La sauce au pique-mi. Moi, je choisirais la normale, comme soit. Enfin, la normale, la classicos, quoi. Forme et couleur de bouche. J'avais lu de boucles. J'étais en mode quoi, mais c'est toutes les mêmes boucles. Ok. Il nous faut le ubu. Non. Par pitié. Ah non, par pitié, elle est incroyable, là, non? Ah, ma bimbo. Ah, ok. Non, celle-là. Le regard peste. Ouais, regarde là. Magnifique, on est d'accord. Là, c'est juste trop bien, là. J'allais lire les fanfics sur le forum, jamais trop. Ah, les fanfics. Moi, je valide, là, avec la petite longue. Parfait. Ça me fume qu'elle va être tout le temps comme ça, par contre. Hein. C'est trop... Ouais... Non mais c'est bon. Comme ça. Elle reste en slibar ou... Elle reste en slibar ? Ok, maintenant il y a de la musique. Attends. Mais pourquoi on est en slibar, les gars ? Elle est en train de rêver ? C'est quoi là? C'est quoi l'idée en. L'uniforme, elle n'est pas contente. Salut, bienvenue sur Amour Sucré, je suis Chinon Mimi et je suis là pour t'expliquer les bases du jeu. Es-tu prête? Oui. C'est parti, je commence par les PA ou points d'action. Ils te permettent d'avancer dans le jeu en cliquant sur les dialogues. Évidemment, ils seront décomptés qu'à partir du prochain épisode. Évidemment, manquerait plus que je paye pour le didacticiel. Pardon. Je peux voir ton nombre de PA en haut de l'écran, il diminue lorsque tu cliques sur un dialogue. Ouais, j'ai beaucoup de PA parce que bah, Coco nous a régalé les gars encore. Wow, ready bitch. Ça va le son du jeu ou pas? C'est pas trop fort? Tu peux voir ton nombre de PA en haut de ton écran, il diminue lorsque tu cliques sur un dialogue. 20 PA te sont donnés par jour lorsque tu te connectes. Si tu n'as plus de PA, tu devras attendre le lendemain ou refaire le plein via une recharge. Recharge-moi, hein. Tu peux également te déplacer dans le jeu en cliquant sur les points de déplacement. Ces déplacements ne te coûteront pas de PA. Ouais, c'est ce que m'a dit Coco. On va tester ça tout de suite. Essaye d'aller dans la pièce à ta droite et reviens ici, je t'attends. Ah, putain, la mission est dingue. Ok, je me déplace. Hop, je retourne dans le couloir. Génial, tu t'en sors bien. Je m'en sors bien, j'ai réussi à aller dans une salle et à en sortir. En plus des PA, tu as aussi de l'argent. Des golds. Donc le verre de Sex on the Beach est sur le sol. Rien de cassé. Si ce n'est mon Lego. J'ai su avant que ça colle, les gars, 2 secondes. C'est un jeu qui me plaît.
Rob a dit de mistake. I put the glass on the floor. I took a little sex on the beach, you know? And now the sex is not on the beach, it's on the floor. Sorry, my love. Thank you. Thank you. Sorry. Everybody make mistakes. Je suis avant que ça colle. Tout me rappelle mon ex. Rob, il a dit qu'il avait entendu quand ça s'est passé et qu'après il a attendu de voir sur le stream ce que j'avais fait. JPP, sex on the wood, sex on the floor là, carrément. En plus des PA, tu as aussi de l'argent, des golds. 5 golds te sont donnés chaque jour au moment de ta connexion. Tu assumes que je vais jouer tous les jours, d'accord. Ils te serviront dans les épisodes pour t'acheter des tenues ou des objets. Putain, c'est pour ça que je suis en plus à l'école. Si tu as besoin de plus, tu peux refaire le plein via une recharge. Tu as tout compris? Oui. Attends, allez hop, premier message à ce contexte, j'ai même pas commencé. JPP. Super, passons à la suite. Tu vois cette barre à droite, c'est le love-o-meter. Quand tu discutes avec un des personnages, cette jauge diminue ou augmente. Plus elle est haute, plus le personnage t'apprécie. Oh putain. Moi je veux un love-o-meter haut avec tout le monde. D'ailleurs, à la fin d'un épisode, tu auras accès à un rendez-vous avec le crush avec qui tu auras eu le plus d'affinité. Il y a donc des fins différentes qui dépendent de tes choix. Lorsque tu accèdes à un rendez-vous, sache que tout n'est pas gagné d'avance. Tu dois choisir les vêtements qui plairont au garçon en question et parfois répondre correctement à ses questions. Si tu réussis ces étapes, alors ton rendez-vous sera un succès. Tu as bien suivi ? Oui. De quoi dois-je encore te parler ? Ah oui, au cours des épisodes, tu auras des missions à accomplir. Par exemple, des informations à récupérer, donc n'hésite pas à discuter avec plein de monde. Putain, faut que je tape la conversation en plus. On peut aussi te demander de retrouver des objets. Il y a 3 moyens possibles pour cela, les acquérir en magasin, les récupérer avec un autre personnage ou bien les trouver dans les décors. Il faut ouvrir l'œil. Ouvrir l'œil est le bon, oui. Et je ne crois pas que ce soit si facile. Il m'engueule. On va essayer, ok ? Retourne dans la salle à droite, retrouve une petite sculpture que j'ai faite pendant mon cours d'art et reviens ici. Je t'abonniche, hein ? Salle des délégués, c'est pas ici ? Si, c'est ça. Ça y est, je l'ai. Tiens, tu l'as trouvé ? J'en conclus que ce n'est pas trop dur. Bah non. Je t'en fais cadeau si tu veux. Non, ça va. Non, ça va, je l'ai vu de près, ça va. Ça va, je préfère pas. Je t'en fais cadeau si tu veux, tu pourras décorer ta chambre avec. Non, non. Une dernière chose, et après j'aurai fini mes explications. Oui ? Tu as la possibilité de rejouer les épisodes. Il y a 2 options différentes pour cela. Le replay histoire, tu rejoues l'épisode de tes choix seront... et tes choix seront pris en compte dans le scénario. Ok. Et tu es obligé de rejouer tous les épisodes qui suivent. Ah d'accord, oui, oui, logique. Tu as aussi le replay libre. Tu peux rejouer n'importe quel épisode librement, ce que ton histoire soit modifiée. C'est ce replay que tu dois utiliser si tu veux débloquer des différentes fins ou tenter de trouver des objets spéciaux, etc. sans modifier ton histoire. Ok. Je sais que ça peut être un peu compliqué à comprendre. Non, ça va, franchement ça va. Alors n'hésite pas à me faire répéter si besoin. T'es sûr d'avoir tout compris ? J'ai bien compris, oui. Oui. Le contexte crime, je te jure. Génial, alors on a fini. Tu as un souci ou des questions, n'hésite pas à consulter l'aide ou le guide dans la partie du forum guide des épisodes. Solution. Oh my gosh, t'as un peu Ariana Grande, non ? Vite fait. Non, il y a un truc quand même. Ariana Grande, avant Ariana Grande, non ? Elle sait que ce saut est un peu limité. C'est pas que c'était aussi deep le gameplay, JPP. Oh ma chérie, c'est moi, ta tata. Avant que tu ne partes à la recherche de l'amour, voici quelque chose pour t'aider à avancer dans ton aventure amour sucré. Merci tata, à bientôt. Terminé l'épisode. Bravo, tu as terminé l'épisode. Mais c'est super ça. Les titis de ma tata. I'm so sorry my love. I feel so bad like I'm just doing that and you're cleaning next to me my own mess. I'm so sorry. You alright? I can do that after the stream though. He's gonna be sticky. That's what she said. Alors, commencez l'épisode suivant. Premier jour ici, une nouvelle ville, un nouveau lycée, mais toutes les démarches ne sont pas faites. Oh my god. Bonjour Soso, bienvenue dans le lycée Sweet Amores. J'espère que vous vous habituez rapidement à votre nouvelle école. Je vous suggère d'aller voir Nathaniel, le délégué principal, afin de vérifier que votre dossier d'inscription est combien complet. Il doit être en ce moment dans la salle des délégués. Ok. Salle de classe A. Salle des délégués. Cours. Putain, où est-ce que je dois aller? J'espère, c'est bon.
Daniel, t'es là ? Il est devant toi, frère. Bonjour, je cherche le délégué principal. Salut, t'aurais pas vu un Nathaniel dans le coin ? Ça, c'est une phrase de Big Me. C'est moi, le Nathaniel. Tu as besoin de quelque chose ? Not my love, need to see you. Ah, c'est celui-là, ton crushy crush, toi ? Marianne, la bonne fée principale, bien. J'avoue, il y a un truc. La directrice m'a demandé de venir te voir pour mon dossier d'inscription. Tu dois vérifier mon inscription, c'est la directrice qui l'a dit. Juste regarder la tête de Soso. Tu dois regarder mon dossier, c'est la directrice qui l'a dit. Oui, je suppose que tu es la nouvelle élève, alors je vais regarder ton dossier. Ben oui, je viens de le dire en fait. Il s'était retourné et a farfouillé parmi ses papiers avant de revenir vers moi. Farfouille-moi, Nat. Oh, thank you so much, plus un de Capons, for being the 43 sub of the, yeah, of the evening. Oh, you miss Coco, Tissem, and everyone being crazy. Ty as well. On se calme, ce sont des ados au lycée. Bah oui, bah des ados entre des ados, oui. 7 months, OMG, thank you, stranger. Merci, Rob, thank you for the sub. J'ai flippé. Oui, je suppose que tu es la nouvelle élève, alors je vais regarder ton dossier. Il s'est retourné à farfouiller parmi ses papiers avant de revenir vers moi. En effet, il manque quelques petites choses pour ton dossier. Il te faut encore une photo d'identité. D'identité. 5 golds de frais de dossier. For real? Nouvel objectif, obtenir 5 gold, une photo d'identité, en me rendant au bazar sur la carte de la ville. Faut que j'aille au bazar faire des photos, là. Bizarre, l'ambiance. Il semble que tu as oublié de rendre une des feuilles du formulaire d'inscription, celle avec la signature de tes parents. Oh putain. Il faudrait que tu la ramènes également, merci. Hein. Lui, il ment, il a 25 ans pour de vrai. Et il a pas une tête d'ado. Au bazar, bizarre, l'ambiance. Mais je sais pas. C'est pas bien grave, non? C'est que des papiers, après tout, hein. Bon, alors je te laisse tout ça et je repense quand c'est fini. J'ai tout préparé moi-même, tu es sûre? Ça me fume trop. Toutes les réponses sont débiles. Non, à part je te laisse et je repense quand c'est fini, quoi. La tête de pique, mais ça va bien, je te jure. Ça va un peu vite, Nain, tu veux déjà faire signer mes parents? C'est pas bien grave, non? C'est que des papiers, après tout. Il lève les yeux au ciel. Bon, bah, c'est mort, je crois, pour lui. Ce n'est pas parce que tu t'en fiches que les pièces manquantes hein, vont. Oh, c'est bon. Tu prends un peu trop ça au sérieux, Nathaniel, là, hein, si tu peux me permettre. Hein. Oh, on a moins 15 de l'ovomètre. So sorry, my love. If I can say it. C'est mostly. C'est mostly here. Under this, oui. Excusez-moi, ma petite femme de ménage. Oh putain, mon petit homme de ménage plutôt. Reviens me voir plus tard. Je vais quand même vérifier que ton formulaire ne soit pas perdu dans d'autres papiers. Oui. Là, il faut que j'aille au bazar. Ah non, attends. Ah, c'est toi là. Oh. Mais qui sont ces personnes hein? C'est les plastiques. Hein. C'est les bad bitches du bahut. Le groupe de bimbo. Les problèmes commencent, les gars. Eh, c'est toi la nouvelle ? Oui, bonjour. Eh bien, entre toi et l'autre nouveau, on n'est pas gâtés, pas vrai, les filles ? Oh putain, je l'ai trop bien fait. Ouch, elles sont passées en me bousculant. Pas très sympa. Oh, putain. Ok. Alors, faut que j'aille dans la cour. Putain, vous m'avez fait trop peur. C'est un jeu qui me plaît. C'est un don dangereux. C'est un jeu qui me plaît. Ah putain, lui. Hey, c'est my bonbon là. Ok, je désolé. Est-ce que je peux faire la photo d'un test, s'il te plaît? Tu n'aurais pas mon formulaire d'inscription? Comment ça, tu n'aurais pas mon formulaire d'inscription? Je suis le bad boy. C'est le bad boy, ça. Tu n'aurais pas d'argent pour mes frais de dossier? Ah, je peux lui demander du fricose? Oh, Fluffy, oui. Moins 10. Ok, j'ai l'air d'un distributeur. Un petit distributeur automatique. Oui. Ok.
Tu n'aurais pas mon formulaire d'inscription. Putain, mais dès que je parle, en fait, il me déteste. Ça fait super plaisir. Ok, bah c'était bien. Merci à toi. Couloir principal. Youhou, ma chérie, je t'ai cherché partout. Tata, mais qu'est-ce que tu fais là? Et habillée comme ça? Mais tu es en pyjama au lycée, toi, qu'est-ce que tu parles? Voyons, je suis ta marraine, je me dois d'être ta bonne fée. Oh oh oh. Tiens, prends ce cadeau, ça t'aidera dans ta quête de l'amour. L'amour, c'est beau l'amour. Dans ma quête de quoi? Mais qu'est-ce que... Elle est déjà repartie. C'est lunaire ce qui se passe, j'ai l'impression d'être dans un fever dream. Oh putain, les messages de Grimm, c'est trop... Tata, signe le formulaire, s'il te plaît. Mais oui. Falky, c'est très représentatif de Soso. Même au lycée, personne ne pouvait la plaire. Comment je fais pour sortir? Salle de classe, salle des délégués, cours. Moi, je vais aller faire des photos, non? C'est pas ça que je dois faire? Je vais aller en classe, hein, c'est bon. Bonjour, tu es la nouvelle, c'est ça, je m'appelle Iris. Je serai en cours avec toi. Salut. Moi, c'est Soso. Enchantée, Soso. J'espère que tu te sentiras bien ici. Je te vois plus tard. Merci. À plus tard. Pardon. Les mots de langue, là. Enfin, même pas les mots, c'est juste son visage. Ah, mais c'est tout. Mais c'est trop. Faut que t'ailles dans le menu en ville. Ah, la ville. Putain, boutique de vêtements, boutique, bazar, bijouterie, la banque. Incroyable. Putain, 2 balles. Tenir photo d'identité. C'est bon, là, hein. Il me fallait quoi d'autre, c'est tout? Imagine, j'avais pris le clin d'œil, je te jure. Ou le vent... Ah, j'ai pas vu, j'ai mis un vent à quelqu'un. Les bouts de chic. Yeah, take one too, hein. Thank you, Mav. So sorry, I will be more careful next time. Yeah, I'm not clean enough. Sorry, my love, so sorry. Thank you, though. Ok, la ville, en... Je retourne au lycée maintenant. Il y a toute une ville fluff. Ah ouais, on peut peut-être aller s'acheter des fringues, attends. J'allais retourner au lycée, comme ça, en pige. Qu'est-ce que quoi? Ouh. Pas grave, il n'est pas sûr que ce soit une perte. J'ai pas vu qui c'est qui était avec des lunettes que j'ai foutu en... Ouh, ouh. Ah, par contre, c'est plus cher, là. Oh, les petits débardeurs pas piqués des hannetons, hein, les longs. Attends. Soso, petit col roulé, non. N'achète rien, après, tu seras en dèche. Ah. Bah ouais, mais elle est en pyjama, quand même, enfin... Vous voulez que je la laisse à Walp? 20 balles. C'est quoi 20 balles dans une vie? Ouh, le petit slim rose. Hein. Moi, j'ai envie d'acheter une tenue. Hein. Parce que tu vas acheter des choses dans le tuto. Mais j'ai fini le tuto, non? Ok, bon... Bon, moi, je retourne au lycée, alors. Oh my god. C'est qui, ça? Dis au fait. Oui, Soso? Tu n'aurais pas de l'argent pour mes frais de dossier? Mais pourquoi je demande... Oh, ma pauvre, tu n'as pas assez, il me reste un peu d'argent, tiens. Putain! Putain, ça a marché? Hmm? Quoi? J'ai oublié de te dire, je suis désolée, mais finalement ton inscription ici ne pourra pas être finalisée. Va chier, toi! Tu te fous de moi, hein? C'est une blague, c'est ça, hein? Ah, tu as deviné? Non, non, j'avais pas deviné, en vrai. Pas du tout. Ah, mais c'est pas une blague, ça. Tu m'as fait peur, hein? Je crois que ce n'est pas trop ça, tes blagues, hein? Trop nulle, ta blague. Trop nulle, ta blague! Ah bah, si tu le prends comme ça. Ah, ça va, qui aime bien, châtie bien, hein? Il est si bien placé. Tu connais le mot humour? U-M-O-U-R. Imaginez Coco dire... Soso. Imaginez Soso dire ça. Tu connais le mot humour, Nat? Super. Au fait, tu m'as pas dit si tu avais retrouvé mon dossier ou non. Oh, en effet, je suis désolée. Il était bel et bien mélangé avec d'autres papiers. Je te l'ai mis de côté. Voilà, ting.
Tu n'aurais pas de l'argent pour les frais de dossier aussi? Mais j'ai déjà demandé de l'argent à quelqu'un. Ouais, Coco apprend toujours en dommage de la... Hein? Ok. Mais du coup, là... Ma graisse, c'est quoi ce manque de délicatesse? Bah oui, tu as pu faire le tour du lycée déjà? C'est super grand. Comment vous dire? Bonne nuit, mon Larine! Merci beaucoup d'être venue faire le petit coucou. Comment dire le lycée qui est super grand? Yeah. Ice, baby. Thank you, my love. So sorry, my love. I'll be more careful. Trust me. Merci, mon cœur. Waouh, ouais, tu as pu faire le tour du lycée déjà, c'est super grand. Merci, Coucou. Et merci, Fiona, pour le follow. Oui, c'est la musique du jeu, ouais. J'ai coupé ma musique à moi, y aller. Ah, c'est un bubble? Putain. Va te perdre quelque part, alors. La punchline! C'est vrai que ça change par rapport à notre ancienne école. Tellement plus grand, j'en ai encore des choses à voir. À plus, hein. À plus tard, alors. Fermez la discussion. Ok. Je fais quoi, là? Je vais en classe, hein. Ça passe pas grand-chose. Vous avez pu finir votre inscription? Oui. Putain, on a un lovometteur avec la dirlo. Rigole pas. Voyons, je ne vais pas récupérer des feuilles volantes comme ça à trouver un trombone. Non, mais les missions du jeu, elles sont légendaires. Hein. Au moins, pour les attacher ensemble et revenir me voir. Y'a pas quelqu'un qui peut me dépanner un trombone, hein? Il s'appelle Ken. Hein, il s'appelle Ken. Il n'a pas peur de la dire l'eau, ben oui. Non, mais si j'en trouve un, je te le donne. Ok, Ken. I'm just Ken. Excusez-moi, vous auriez un trombone. Attendez. Non, mais je rêve. Hein. Tu viens à peine d'arriver ici et tu oses venir me demander de l'aide pour ton dossier. Débrouille-toi toute seule. Hein. Et Soso qui est en mode... Pardon, c'est mythique. Tu n'aurais pas un trombone ici, hein? Je pense que tu demandes au meilleur endroit possible, mais non, je n'en ai pas. Faut que j'aille au bazar. Oh putain, le bazar. Magasin bazar. Bijouterie. Y a pas de trombone au bazar? Putain, j'ai un appart. Ah ouais, je vis pas chez mes darons. Ok. Ah, mais flirt. I'm just Ken. Moins 22, moins 20, 10. C'est lunaire. Tu vois, je suis à moins 100 avec Cassiel. C'est lequel? J'ai oublié. Ah, lui. Il aime sa guitare électrique. Il déteste recevoir des ordres. Il aime les romans policiers. Il déteste les sucreries. C'est next. C'est trop next. Il déteste les sucreries. Quand quelqu'un lui demande un trombone. On a plus de chance de Ken, bah a priori, hein. Attends, ah, c'est moi, je peux dire, genre, c'est mon coup de cœur. Hein. Alors attends, taille 178 cm, 71 kg, groupe sanguin O+, anniversaire 16-2, signe Verseau. 180 pour 80, O négatif, 12 août, Lion. 6-3, poisson. 1m65. Mais que ce soit fait quelle taille, hein? On avait dit qu'on attendait le prochain stream pour le coup de cœur. Ah ouais, non, mais je clique pas, hein, je découvre en fait. Je dis, ah, c'est moi qui je peux cliquer, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit que j'allais cliquer sur un coup de cœur, hein. Pas du tout, du tout. Hein. Je découvre comment ça fonctionne. Alors, la ville. Bon, du coup, je retourne dans le lycée. Oui, il y en a un là. Ah oui, je peux cliquer comme ça, c'est vrai, sur les objets. Trombone. Ok, hein. C'est votre dossier complet, mademoiselle? Bien, merci, donnez-moi ça, cette fois-ci, tout y est. Vous êtes officiellement élève à Sweet Morris. C'est la fin des cours, d'ailleurs. Vous pouvez rentrer chez vous, à bientôt. Putain, les cours, ils étaient vraiment bien, hein. Vraiment, les cours, ils étaient bien. Soso, je te cherchais. Putain, Ken, lâche-moi la grappe. Maintenant que les cours sont finis, tu veux faire un tour du lycée avec moi? Putain, je peux répondre que si tu veux. J'achète cette tenue, mais je la porterai plus tard. Attends.
Si je clique, ça donne... Ah non, je croyais que ça donnait d'autres tenues. Les cours, aller au bazar, faire une photo. Ah, mon Dieu. Il fallait pas lui demander des sous, on lui est redevable. C'est vrai. Putain, j'ai pas pensé comme ça, moi. Hein. J'achète. Ah, c'est pas une tenue, hein. C'est 2011, quoi. Coucou, Sheldon. Bah, vas-y, j'achète, hein. Oh my gosh, l'outfit. L'outfit. Comme Ken et moi ne connaissons pas trop le lycée, on a un peu tourné en rond. Mais il est plus jeune que nous. Il a l'air plus petit que nous, non? Moi, on n'est plus en pyjama au lycée, c'est vrai. Les ballerines et le skinny. Les ballerines et le skinny. Vraiment, le combo est lunaire. Elle tire plus la langue, là. C'est fini. C'est tellement sosso ado. Oui. Par contre, elle était plus brune que ça dans le CUS. Ça, c'est parfait pour une miniature YouTube. Hein. On dirait son petit frère. Mmh. Un peu. Bon, faut qu'on s'en débarrasse de lui. Hein. Putain, les épisodes, ils sont super rapides, wesh. Alors, histoire. Alors, 5 sur 5, l'histoire était incroyable. Vraiment digne d'un Scorsese. Illustration de l'épisode. Oh, 5 sur 5. Tenue de l'épisode. Incroyable. Vraiment style. Ma cam. Les ballerines skinny, j'adore. Moment avec ton crush. Ah, il est considéré comme mon crush. Non. Non. Les élus sont faits avec le fiac. CUS, crée une soso. Bah, mon moment avec mon crush était bien. Le jeu, il a bien marché, ouais. Mon PC arrive à le faire tourner. Donc ça, c'est bien. Mais quel crush, je sais pas, hein. Alors, épisode 2. Il est temps de s'investir dans un des clubs du lycée. Il semblerait aussi que Nathaniel et Cassiel aient un différend à régler. Pam, pam, pam. Battez-vous, hein. Battez-vous pour moi, j'adore. Et regardez qui voilà. Encore ces filles. Hein. Dis donc la nouvelle, regarde un peu ce qu'on a trouvé dans nos casiers. Elle m'a tendu une feuille. C'est une... Elle m'a tendu une feuille. C'est une photocopie d'une photo. Quelqu'un a gribouillé dessus des moustaches et je ne sais quoi d'autre. Mais c'est moi. C'est la photo que j'ai dû faire pour le dossier d'inscription. T'es pas très photogénique, on dirait. Tu en veux d'autres? Tiens, serre-toi, on en a plusieurs. Elle m'a jeté un paquet de ses photocopies à la figure. Elles sont maintenant éparpillées par terre. C'est vous qui avez... Et au fait, maintenant que ton inscription est finie, ne tourne plus autour de Nathaniel. Elle m'a jeté un regard noir avant de partir en rigolant avec ses copines. Pff, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Je suis sûre que c'est elles qui sont derrière tout ça. Et puis c'est quoi son problème avec Nathaniel? J'en barre de fou. Ok, bah on va aller tourner autour de Nathaniel, du coup ça m'a énervée. La maturité. Hein. Calisté, attention. Salut, alors quoi de neuf? Ça se passe bien pour toi, hein? Il y a vraiment une bande de gamines qui me cherchent ici, hein. Dis donc, je peux savoir pourquoi ma photo pour le dossier de l'école se retrouve taguée et placardée partout? Pleurnichée. Pleurnichée. Par pitié, laissez-moi cliquer sur pleurnichée. Par pitié. C'est Soso. Pleurniche, non? Pleurnichée, c'est sûr. C'est quoi cette façon qu'elles ont de me regarder? Nathaniel, elles sont trop... Merde, elles sont trop méchantes. Ça rechiale. C'est beaucoup d'énergie. Il me faut des bonbons et de la vodka. J'ai tout ça, Grim. Tu es le bienvenu. Viens. Ça va pas? Tu veux un mouchoir? Mais regarde cette photocopie, elles l'ont mise partout, c'est la honte. Attends, on est toujours à moins 22. Écoute, je suis désolée, je ne sais pas comment ces personnes ont pu avoir accès à ta photo. Tu sers vraiment à rien comme délégué. Tu sers vraiment à rien comme délégué, hein. C'est pas possible. Hein. Tu veux pas faire quelque chose, hein? Mets les responsables en colle, hein. Est-ce que c'est toi, hein? Ah, putain, je suis morte. Elles sont pas très fortes, je me permets, au nom de la commune des Capanzor. Ah ouais, ok, je remonte le son, mais ça va remonter aussi le son du jeu. Il faudra que je remonte les alertes manuellement un peu plus tard. Mais rougis, ouais, nade grand fou, hein.
Notre qui rouge métallique. Mais les responsables en cloque, ouais. Chantelle. Pas grave, petit son de heavy metal. Ok. Mais elle est en col, hein. Oh putain, ça augmente le niveau. Eh bien, je n'ai pas le droit d'infliger des sanctions aux élèves. Hein. C'est seulement du ressort de l'administration et des professeurs. Hein. Donc je peux rien faire contre les personnes qui ont fait ça. Mais je reconnais que quelque part, on peut supposer que c'est ma faute. Je retirerai les photos, d'accord? Attends, faut que je lui trouve une voix. Faut que je lui trouve une voix et que je m'y tienne. Ok, merci. Je suis sûre que c'est trois pestes qui ont fait le coup en... C'est marrant venant d'une peste, hein. Enfin bon. Mais sors-toi les doigts du fiac, Nati. Quelle peste, hein. Ah, la diavote, ok. Ces trois filles, surtout cette Ambre, c'est une vraie pétasse. Voilà, je vous dis le mot qui est masqué, c'est une vraie pétasse. C'est une vraie bimbo. Hein. Elles sont toujours ensemble, tu sais. Ambre la blonde a parlé de toi aussi. En tout cas, elles sont vraiment des idiotes, toutes les trois. Hein. Elles sont toujours ensemble, tu sais. Ambre la blonde, elle a parlé de toi aussi. En tout cas, c'est clairement elle la pire des trois. Je crois que tu lui plais, mais c'est une vraie peste d'après ce que j'ai pu voir. T'es prévenue, hein. Putain, la dernière, elle est lunaire. T'es prévenue, hein. Regardez, Soso à côté. Putain, ma langue est bleue, désolée. Ça me fume trop. Avec les mains comme ça, là. Ah, je peux augmenter et baisser. Ok. Oui, ça paraît logique. Je sais pas où sont les paramètres, par contre. Ah, là. Musique. Je baisse un peu la musique, peut-être. En voilà, voilà. Vous me direz. Je reste évasive ou je dis vraiment les termes? Ouais, ce soit et puis à poil, Myrine, ça y est. D, la réponse D. Oui, alors la réponse D est encore plus développée que la C, qui est encore plus développée que la B. JPP. La C est tellement longue que c'est elle ma préférée. J'avoue, elle est tellement longue. Je la refais. Elles sont toujours ensemble, tu sais. Ambre, la blonde, a parlé de toi aussi. En tout cas, c'est clairement elle, la pire des trois. Je crois que tu lui plais, mais c'est une vraie peste. D'ailleurs, de ce que j'ai pu... De ce que un, deux, trois. D'après ce que j'ai pu voir. T'es prévenue. Tu sais que tu parles de ma sœur, là. Everybody make mistakes. Everybody make mistakes, en vrai. Les problèmes, les gars. Oh. Putain, je vais renommer l'emoji, l'émote bubble, je vais la renommer Ken, c'est bon. Le chat capier, je fais plus confiance, c'est bon, je fais ma run toute seule. Je vois qu'il n'y a pas d'allié ici. Hein? Salut Soso, Ken, est-ce que tu as vu les trois filles qui sont toujours ensemble hein? Oui, elles ont pris mon argent tout à l'heure. Comment ça, elles t'ont pris ton argent? Oui, elles m'ont poussé par terre et m'ont pris mon argent en disant qu'elles voulaient manger au restaurant ce midi plutôt qu'à la grande Chine. Mais faut pas laisser faire ça. T'es un mec, oui ou non? Quoi? Elles t'ont pris beaucoup, dis-moi combien, je te rends ton argent si tu veux. Il te reste de l'argent pour moi. Il te reste de l'argent pour moi. Non. Non. Non, je peux pas cliquer sur ça. Non. Panade, ta sœur est une chieuse. Bah, les termes sont dits, hein. Oh, mais non, mais... Je veux pas qu'il m'aime, je veux juste être sympa. Je veux juste être sympa. Non, non, t'inquiète pas, mais merci de le proposer. Est-ce qu'elles t'ont fait quelque chose aussi? Oui, elles se sont moquées de moi. Est-ce qu'elles t'ont donné une photocopie? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Si elles me faisaient moins peur, je te défendrais. C'est pas grave, fais attention à toi. Laisse tomber. Ça ne sert à rien que je t'en parle, tu ne sais même pas te défendre tout seul. Défonce-les, Ken. Ken, montre-leur. Montre-leur qui tu es, Ken. Je dis laisse tomber, non? Je dis laisse tomber. D'accord. Désolée, Ken. Non, à un moment donné... Tu vois, je te donne ma main, tu prends mon bras. À un moment donné, frérot, c'est pas parce que je suis sympa avec toi qu'on va se marier demain. C'est bon, il a cru quoi? Ok, je peux aller en cours de temps en temps ou pas? Salut! Non, pas du tout. Soso, tu vas bien? J'ai cru entendre que la sœur de Nathaniel et ses copines Charlotte et Lee sont venues te voir. Elles sont toujours comme ça avec tout le monde, ne le prends pas personnellement, d'accord? Ok, merci! Ah.
Enfin, les cours, en tout cas, c'est quelque chose ici. Hein. Si seulement c'était comme ça au lycée. Après, il n'y a personne. Je vais aller dans la cour. Salut. Hé, Soso, sympa ta photo. Tu as vu ça, toi aussi? Bien sûr, comme la moitié de l'école. Hein. Vas-y, moque-toi, je m'en fiche de toute façon. Ça t'amuse, hein? Tu es pour quelque chose, peut-être? Ça n'a rien de drôle. C'est pas ton visage qui a été tagué et placardé partout. Mais... Bah, en vrai, Soso Pygmy, elle répond ça n'a rien de drôle, hein. Vous diriez, ah vous? Ouais, on est d'accord, Valky. C'est pas drôle, ok hein. En vrai, ça m'étonnerait que quelqu'un s'amuse à me faire ça. Si tu es tellement dur, défends-moi. Pourquoi c'est le seul choix possible? Alors là, non, hein. Alors là, non, hein. Oh, quel honneur. Et puis, je ne sais même pas qui a fait le coup. Je vois, laisse tomber. Ce sont ces trois filles stupides, hein. S'il te plaît, aide-moi. Tu te rappelles ton ex-grim, putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Il fait trop le gars. On est indépendantes, nous. Tu es dure. Ce sont ces trois filles stupides. Il y a beaucoup de filles stupides dans le coin. Il est pas tort. Tu sais, elles sont toujours ensemble, une brune, une asiatique et une blonde, Ambre, je crois. Je viens à peine d'arriver ici et elle n'arrête pas de me provoquer en... Ah, tu parles de la sœur de Nathaniel et ses copines. Putain, mais par contre, la pauvre Ambre, elle a quand même vraiment une identité. C'est-à-dire que c'est quand même la plus grosse peste de l'école. Mais tout le monde l'appelle la sœur de Nathaniel. Genre, toute ta vie, t'es résumée à être la sœur de Nathaniel. Alors que quand même, tu es quelqu'un dans le jeu. C'est vrai que question pain-bêche, elle tient un bon palmarès. Pain-bêche. 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 J'ai pas entendu ce mot depuis... Je trouve un moyen de me venger un jour. Alors, tu m'aides, c'est sûr. Pourtant, je leur ai rien fait. Bah, c'est comme ça, c'est tout. Ok, je crois qu'ils s'en fichent complètement. C'est lunaire, les conversations, elles sont incroyables. Vraiment, c'est trop... Oh, putain. Mademoiselle Soso, attendez. J'aimerais que vous participiez un peu aux activités du lycée. Dans cette optique, j'aimerais que vous donniez un coup de main à un des différents clubs. Actuellement, les clubs de basket et de jardinage ont tous besoin d'un coup de main. Eh. Basket et jardinage ont besoin d'un coup de main. Parce que la main verte, la main sur le ballon... Bref, vous avez pas compris. Les clubs de basket et jardinage ont besoin d'un coup de main. Je vous laisse le choix, vous préférez vous rendre utile en... Bah tu me laisses pas le choix en fait, tu m'obliges. Je pense que je vais donner un coup de main au club de jardinage. Je pense que je vais donner un coup de main au club de basket. Merci Cory, j'apprécie. J'apprécie les applaudissements qui tardent un peu à arriver, mais je les apprécie. Nous aussi, vous des coups de main. Moi, je dis basket. Parfait. Dans ce cas-là, rendez-vous là-bas et voyez que vous pouvez faire... Oula, putain, pardon, j'ai trop mal lu. J'ai voulu faire genre rewind et j'ai fait... Bref, c'est pas grave. Parfait. Dans ce cas-là, rendez-vous là-bas et voyez ce que vous pouvez faire pour aider. Mais je ne sais pas où c'est. Hein. Eh bien, demandez à vos camarades. Je suis sûre que vous trouverez quelqu'un pour vous montrer. Mais ils sont tous aimables là-dedans, c'est un truc de fou, hein. Ouais, c'est le bruit de fond, je peux le baisser. Ambiance. Je peux baisser l'ambiance. L'ambiance est folle. Ça va, là, vous entendez encore l'ambiance? Ok, je vais demander à la salle des légués en... Sasso. Ah, Nathaniel, hein. Tu as besoin de quelque chose? Oui. Tu connais quelqu'un du club de basket, s'il te plaît hein? La directrice a dit qu'il y avait un club de basket. Tu peux envoyer quelqu'un, s'il te plaît? Tu peux me montrer le club? Ah, je vais lui demander de me montrer le club. Je suis désolée, je suis un peu occupée, tu devrais peut-être trouver quelqu'un du club pour te montrer. Bah, j'insiste. Tu es sûre que tu ne penses à personne? Eh bien, il me semble que Cassiel est inscrit au cours de basket, au club de basket. Mais le connaissant, je ne suis pas sûre qu'il y participe vraiment. Putain, c'est vraiment le nouveau bubble, hein. Ken, est-ce que tu dois aider dans un club, toi aussi hein? Par pitié, non. La directrice me l'a demandé, je suis sûre que tu as choisi le club de jardinage comme moi. Oh putain, we dodge a bullet. We dodge a bullet en... Les balls de Cassiel. R. Et non, raté. Eh bien, j'ai encore mieux fait de choisir le club de basket que ce que je pensais. Oh, c'est méchong. Oh, si j'avais su. Tu penses que je peux changer d'avis? N'essaie même pas, arrête de me coller. Non, le jardinage te va très bien. Voilà. Tu me connais bien, c'est vrai que j'aime bien les plantes. Arrête de chialer par contre, hein. Mais c'est dommage quand même, j'aurais aimé être dans le même club que toi. Ok, il faut que j'aille voir lui. Cassiel, je dois me rendre au club de basket. Tu sais où c'est, hein, peut-être. Tu pourrais...
répondre clairement, de temps en temps, t'es énervant. Montre-moi où ça, s'il te plaît. Je vais lui dire, t'es énervant. Excusez-moi, mademoiselle, et qu'est-ce que j'y gagne à te montrer où c'est? Le plaisir de m'accompagner, hein? Rien, tu peux bien faire ça quand même, non? Castiel, montre-nous tes bras, j'avoue. Tes bras musclés qui font du basket. Hein. Tu cherches quoi? Et pourquoi tu cherches le club, au fait? J'ai pas tout compris, mais je dois aider un des clubs. La directrice m'a demandé d'aider un des clubs. Ah oui, le truc de la directrice pour aider les nouveaux à s'intégrer. Je suis sûre que t'aurais pu refuser si t'avais vraiment voulu. Bon, tu veux bien me montrer le chemin, au final, oui ou non? Enemies to lover? Enemies to lover? Who knows? Écoute, repasse plus tard. J'ai un truc à faire, là. Mais après, je te montre. Ok. Ok. Je vais où, maintenant? Y a personne ici. Classe? Hé, hey, Soso, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie d'étudier. En fait, on est au lycée, non? Je vais en salle de classe. Enfin, Iris. Iris, tu tombes bien, tu pourrais me montrer le club de basket. Oh, va dans la cour et si tu vois Castiel, demande-lui de te montrer. C'est juste à côté, je suis désolée, je dois filer à mon club de musique. Je suis désolée, il est complet, me semble, on se voit plus tard. Faut arrêter de m'envoyer chez lui, hein. C'est bon, hein. J'ai failli attendre. Ah, c'est bon. Allez, suis-moi, tu vas voir, c'est juste à côté dans le gymnase sur la gauche. Tu aurais même pu trouver toute seule si t'avais fait un effort. Putain, le changement de décor. Bisous, Jachana. Enemies to sex on the beach on the floor. Ah, speaking of. Avant que ça chauffe. Ou que ça tombe par terre. Merci, Amour Sucré, pour le follow. Et voilà, sur ta gauche, dans la cour de l'autre côté, c'est le club de jardinage. Tu sais ce que tu dois faire, au moins? Non, tu vas pas m'aider? Tu sais pas, toi? Non. Pff, ils aident pas à l'administration. Ils te demandent de venir aider dans un club sans te donner plus d'infos. Oh, je sais, les mecs se plaignent tout le temps qu'il manque la moitié des balls. T'as qu'à les chercher, ça devrait pas être trop chiant en plus. Il en manque 5, je crois. Attends, je dois chercher des balls, là? Ok, je vais faire ça, alors. Alors, tu as trouvé les balls? Pas tout encore. Ah, mais je dois littéralement les chercher... Pardon. Pardon, je... j'ai pas... Gymnase? Ah non, je les cherche dans... Attends, je les cherche dans le lycée, j'ai pas suivi la conversation. Pardon, c'est ma patte. Il faut que je les cherche un peu partout, je crois. Va juste chercher des balls, Castiel, montre-moi. Cherchons les balles de Castiel. Il faut que j'aille dans les autres pièces, on est d'accord. Non, faut que je les cherche ici. T'en mets du temps. Ah, il y en a une là, ok. Ah, oh, non, mais d'accord. Il y en a combien en tout? 5? Vous en voyez d'autres là? J'ai rien fait. Tu connais le mot humour? Ça s'est joué tout seul. Il y a 5 balles, le bout. Ah putain, c'est vrai, je dépense des PA en plus, là. Oh, je suis la pire. Je suis la pire, je dépense des PA pour lui redemander où c'est. Je l'ai pas mis premier JPP. Est-ce que... J'imagine que là, il manque 2 balls. Est-ce que du coup, c'est celle de... Non. C'est celle de qui, en fait? Club de jardinage. Mais dis pas qu'il y a des balls au club de jardinage. Hein. Non. Ouais, bah je mets du temps, ouais. On en a plus, là. Faut que j'aille ailleurs. Je crois que c'était une erreur, les alertes, là. Un bug. Ah, ouais. Mais attends. T'en mets du temps. Bah ouais, je mets grave du temps. Là, y en a pas. Non. Arrête de me foutre la pression, Cassiel. Ok? Couloir principal. Oh putain. Je sais où est le club de basket. Comme d'habitude, tu sers à rien. Non, j'ai absolument pas fait attention. Ah, il y en a un là. Ok. Il m'en manque plus qu'un. Merci pour le lurk. Dans la salle des délégués, hein? Pas du tout. Ah, Nathaniel, tu as vu les ballons? Tu as vu les balls de Cassiel, Nathaniel? Non, pourquoi? Tu veux retrouver les balls du club, c'est ça? Oui. Oh! Ça ne devrait pas être trop long, je pense. Bon courage. Ah, tu me connais pas, Nathaniel. Il y en a une là. Allez, j'ai toutes les balls. C'est bon. Cassiel, j'ai tes balls. Oui, j'ai trouvé les 5. Bah, t'attends quoi? Comment il parle? C'est bon! J'ai déposé les balls.
Sinon, on veut bien les bolins de natte. Ok. Alors, couloir principal. Attendez. Ah, tu tombes bien, j'allais dans la cour. Tu pourrais me rendre un service ? Oui, bien sûr. Non, je ne crois pas. Quel genre de service ? Oh, eh bien, j'ai un mot d'absence à faire signer à Cassiel. Et franchement, moi, je le vois, le mieux je me porte. Tu voudrais bien lui faire signer ? Non, mais ça va hein. Ok, pas de problème. Je compte sur toi, alors. Encore merci. Mais attends, pourquoi tu dois lui faire signer son mot d'absence ? C'est pas à ses parents de faire ça, plutôt ? En temps normal, si, mais Cassiel est émancipé. Comme ses parents voyagent énormément pour leur travail, il doit se débrouiller tout seul au quotidien. Même pour tout ce qui concerne l'école. Mm-hmm. Oh, je vois, je ne savais pas. Mais pourquoi tu saurais, Soso ? Alors, j'ai un mot d'absence de la part de Nathaniel, s'il te plaît. Hein. Oh, puis quand encore ? Tu peux ramener ça à Nathaniel, je ne compte pas le signer. Ah, bon. Oh, putain. Des Peden King. Mais oui, comment tu veux savoir, Soso ? Attends, attends. Je suis à 37% avec Ken. Ah, je m'étouffe avec mon bonbon. C'est énorme. Ken, est-ce que tu fais quelque chose en ce moment ? Rien de spécial ? Tu as besoin d'aide ? Non, pas la tienne en tout cas. Oh, mais c'est méchant. Coucou Lucie, comment tu vas ? C'est méchant, gain. Peut-être, comment tu sais ? Oui, tu veux bien me rendre un service ? Je sais pas, là. Pas la tienne, en tout cas, c'est méchant, quand même. Putain, il kiffe, en plus. Bien sûr, tout ce que tu veux. Je dois faire signer un mot d'absence à Cassiel, le mec qui traîne souvent dans la cour. Tu peux le faire ? Bien sûr que je peux le faire. Non, laisse tomber, je vais m'en charger moi-même, plutôt. Oh, attends, là, le dîner, mais chaud patate, hein. Le dilemme est chaud patate, là. Excusez-moi. Ce qu'il avait à faire, qu'on refile la bubble de... Bah, c'est ça. C'est vrai, Valkyrie. Le truc, c'est que si je lui confie la mission... Ouais, j'ai loupé plein. J'en ai loupé plein. Le truc, c'est que si je lui confie la mission, j'ai peur que ça augmente notre relation encore. Ouais, c'est vrai, Soso va faire la chose elle-même. C'est vrai. Comme par exemple, buter un gosse. Vas-y, on y retourne alors. Cours. Tu veux encore quelque chose ? Pas pour le moment. Mais sinon ! Tu allais le voir, c'est bon ? Oui, il veut pas le signer, ton papier. C'est une vraie tête de mule. Insiste un peu, il va finir par signer. Ok, j'y retourne. Merci. Mais c'est lunaire ! Tu veux encore quelque chose ? Oui, le mot d'absence. Quoi encore ? Ben signe, on n'en parle plus. Je vais rien signer du tout, je t'ai dit. Et si c'est un vrai mec, qu'il vienne me demander lui-même plutôt que d'envoyer une petite minette comme toi. Oh ! Pardon ? Une quoi ? Une minette ? Mais déjà, net, vas-y tout seul en fait. Je suis quoi moi, votre punching ball hein ? Alors, il dit que c'était un homme. T'avais qu'à lui demander directement. Il a pas dit ça par contre. Demande directement, c'est un homme. J'ai imité la voix de Cassiel. T'es un mec, t'es le délégué. Alors va lui demander directement. C'est quoi ce truc de homme, vas-y, parce que t'es un mec. C'est ce qu'il a dit ça. Eh bien, tu peux lui dire qu'un homme doit aussi assumer ses actes. Il n'a plus qu'à signer. J'ai compris, j'y retourne. C'est une merde. Tu as transmis le message. Oui, et donc ? Ben, il dit que c'est un homme que tu devrais assumer tes responsabilités. Un vrai mec, comme disait tout à l'heure, ça assume aussi les responsabilités, alors tu signes et point. Je signe rien du tout, tu comprends, et en plus je suis sûre qu'il fait ça en espérant me faire virer du lycée. Quoi ? Vraiment ? Je ne voudrais pas que tu te fasses virer. Laisse tomber, le papier je vais lui rendre, ok ? Bon, écoute, j'en ai marre de vos histoires, tu signes, si t'es pas content, tu vas t'expliquer avec lui, ça c'est vrai. Non ! Moins 70 ! Quoi, il a vraiment l'air furax, mais au moins je vais pouvoir rendre ce papier à Nathaniel. Il m'a dit « Dégage, en... » C'est vraiment pas sympathique. Oui, j'ai finalement réussi à lui faire signer. Tiens, je te rends ton papier. C'est vrai ? Super, tu m'impressionnes. Et tu m'enlèves vraiment une sacrée épine du yep. Merci beaucoup. Pas de rien.
Prête-moi ton épine quand t'as le temps, hein. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Ce soir, on rentre ensemble ? C'est toi l'épine grand fou ? J'ai des gâteaux pour le goûter aussi, si tu veux. Alors, comment te dire ? Oh, mais je peux répondre que oui ? Oui, c'est Choco Prince. Non, mais on veut pas ces Choco Prince. Mais on est à 50% avec lui et à moins 75% avec l'autre. Je meurs. Mais je meurs. Ah non. Ah non. Ah non. Je blague tout, c'est trop, mais same en fait. Ouais, et, non, il faut que je... Il faut que j'arrive à me refaire apprécier, quoi. Sois méchante avec lui. Ouais, bah tant pis, en fait. Voilà, et à un moment donné, il faut bully les gens pour être tranquille. C'est terrible. Dans ce jeu. Ah, chandelle. Ah non, chandelle, là, non. Ah non, là, non. Ah, oh, les miettes de gâteau dans la culotte, non. Non. Chandelle, non. Au moins, avec ton crush, je peux pas mettre 0. Merde, putain. Ah, le jeu performe bien. L'illustration était banger, elle m'a fait rire. L'histoire était incroyable, j'ai adoré chercher des balles. Tenue de l'épisode. Ouais, ok, il y a du mieux. Voilà. Alors, commencez l'épisode suivant. Un chien à retrouver à tout prix et encore du travail à faire pour les clubs. Je vais devoir chercher un chien. Bah, je l'ai trouvé, il est dans la cour. On est passé des balles de nos converses, ouais. Ta ta tété qui est chiante là, ta ta tété. Ta ta tété. Hey ma puce, mon petit doigt m'a dit que tu as besoin d'énergie pour les aventures qui t'attendaient. Voici 200 PA pour bien démarrer la journée. Tu pourras en profiter pour passer du temps avec tu sais qui. Elle parle de Ken. Bisous bisous ma chérie. Tata qui râlasse. Soso, je te cherchais. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je voulais absolument te dire au revoir avant de partir. Oh ! Tu déménages ? J'ai raconté à mon père ce qui s'était passé. Il a dit que c'était inadmissible que son fils se fasse maltraiter de la sorte par des donzelles. Il a ajouté qu'il me retirait de ce lycée immédiatement et qu'il ferait de moi un homme pour laver sa honte au plus vite. Quoi ? Cacou, cacou, tata ! Oh là ! Et les militaires, il est revenu de mission exprès pour s'occuper de moi. Je dois y aller, il m'attend. Tiens, c'est pour toi, ne m'oublie pas. D'accord, je reviendrai. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de revenir. Dire au revoir à Ken. J'étais sur le point de dire au revoir à Ken, mais j'ai été surprise par un petit chien qui a traversé le couloir en courant. Ken était déjà parti. Un chien dans l'école ? Oh ! Il est trop mignon. Il est trop mignon. Alors là, vraiment, il est trop mignon. Le chien Ken, hein. Enfin, y a pas photo. Y a pas photo. Mademoiselle ! Mademoiselle, pourquoi n'avez-vous rien fait pour l'attraper ? Mon petit kiki ! S'il se sauve, ça sera de votre faute. Vous en subirez les conséquences. Mais comment ça, wesh ? Quoi, mais j'ai rien fait, moi, j'étais juste là, il est passé, hein. Taisez-vous ! Retrouvez Kiki et ses affaires, un point c'est tout, sinon... Ils sont pas bien dans ce lycée, hein. Ils sont pas bien, hein. Waouh, moi qui trouvais qu'elle avait l'air sympa et normale comme directrice, bah non. Voilà. Ouais, vas-y, on l'adopte, Léa, là, j'avoue. J'avoue. L'avion qui perd son tiki. L'anecdote caniche, t'es mieux qu'avant, n'oublie pas. Oui, putain, comment oublier ? Comment oublier ? Sauf plateau pour vivre tranquille avec le corki. Alors, coucou Nathaniel, t'as pas vu le chien ? Alors, c'est réglé cette histoire de mots d'absence. Oh, c'est bon.
Oui, c'est réglé, même s'il a séché les cours, qu'il ne sera pas viré. Pas pour cette fois, du moins. Ok, tant mieux. Il a haussé les épaules. En tout cas, je suis désolée de t'avoir mêlé à cette histoire. Je n'aurais pas dû demander un tel service et de te mettre dans une telle situation. Par contre, on peut peut-être parler d'autre chose que Cassiel. Oui, on peut aller au ciné si tu veux. Eh bien, la directrice me fait carrément flipper. Hein. On aurait dit une folle à l'instant. Eh bien, tu n'aurais pas vu un chien passer ? Eh bien, la directrice s'est transformée en furie. Le chien de la directrice, il s'est encore échappé. Et je fais quoi ? Ça tombe sur moi, je dois retrouver son chien. Et j'ai pas mon mot à dire en... Oui, c'est ça, mais c'est pas une raison pour s'en prendre à moi comme ça. Elle exagère, c'est son chien. Et ça m'étonnerait que nous, on ait le droit de ramener des animaux ici. On va chercher le petit kiki, là. Allez, on cherche le kiki. Je vais mettre ça. Oh, je sais bien, mais si elle t'a chargé de retrouver son chien, je te conseille de le faire si tu ne veux pas te retrouver en colle ou autre chose. Bah, j'ai rien contre les chiens, mais quand même, bon courage. Bah, merci. T'as pas vu Kiki, toi, du coup. Oh, le collier ! Collier pour chien, gars. Le collier du titi. Du Kiki. Alors, comme ça, tu as même réussi à faire fuir Ken. C'est à cause de vous s'il a dû partir. Voilà. Oh, zut, vous entendez ? C'est à cause de nous ! Tu vas pleurer ? Il te manque déjà ? Tu te retrouves toute seule, maintenant. Ça m'empêchera pas de te faire fermer ton clapet un de ces jours. Ouh là là, j'ai peur. Essaie toujours. Tu verras ce qui t'arrivera. Il suffit que je me plaigne au délégué principal, ou devrais-je dire, mon grand frère, et tu verras un peu les problèmes qui vont me tomber dessus. Ton frère est pas aussi stupide que toi, tu sais. Moi ? Stupide ? Et de toute façon, il adore sa gentille petite sœur. Je laisse tomber avec vous. Désolée de te décevoir, mais ton frère m'aime bien. Et ça m'étonnerait qu'il abuse de son statut pour satisfaire les petites caprices de sa sœur. Les problèmes. Grim. B ? Ouais. Ok. Si tu crois ça, elle est repartie. J'ai peut-être réussi à la contrarier un peu pour une fois. Et toc ! Ok. Salle de classe. Le chiang ? Le chiang ? Le chiang ? Pas le chiang. Oh oh. Non, c'est pas un objet ça ? Non. Cours. C'est réglé pour ton mot d'absence alors ? Putain, on a moins 70, putain. Bien sûr, je vais pas me faire virer comme ça. Et puis, hey, c'est pas un chien qui vient de passer en courant derrière toi, là ? Ah, il était là, je dois à tout prix le retrouver pour la directrice. Ah, il était là ? La directrice m'a carrément agressé à son sujet. Ah, il était là ? La directrice a pété un câble et m'oblige à le retrouver pour elle. Ah, rien d'étonnant venant de la vieille avec son roquet. Bon courage pour rattraper sa sale bête. Mais bon, si tu le fais pas, à part te coller une heure ou deux, elle pourra pas faire grand-chose de plus. Mais c'est lunaire, ça ! De se faire coller par la dirlo parce que t'as pas retrouvé son clébard. Cassiel, on cherche un kiki, tu nous aides ? Je préfère éviter les ennuis, je préfère quand même ne pas la mettre à dos. Merci, mais j'ai pas envie d'avoir des problèmes comme toi. Ouah, bah c'est pas nécessaire aussi de lui tirer dessus. Oh ! Mais c'est de pécho ou pas, Soso, là ? C'est pas grave, je préfère éviter les ennuis. Ouais, c'est le petit chien, sa mère après tout. Bon courage pour l'attraper, alors. Merci. Kakou, kakou ! Jouer pour chiang. Club jardinage. C'est quoi ? Laisse pour chien. Bon, on retrouve tout sauf le clébard. Alors, la recherche du toutou donne quelque chose ? Pas vraiment. En fait, je parie que t'as un chat, toi. Je parie que t'as pas d'animaux. Raté. Moi, j'ai un gros chien, merde. Mais un gros chien. Non, j'ai un chien, mais un gros chien. Pas comme un roquet, comme la directrice. Ok. Très intéressant, merci. Mais c'est qui ? Mais c'est qui ? Mais t'es qui, toi ? Hey, salut, tu es dans le club de basket ? Oui. Non, j'ai juste été obligée de venir, pas vraiment, enfin peut-être. Pas tout à fait, mais j'aime bien le basket. Ouais, le basket, c'est cool. Moi, c'est Dajan. C'est comme ça qu'on dit ? Je suis ici en échange interscolaire avec l'équipe de basket de ton lycée. Mais c'est super, ça ! Putain. Ils m'agressent tous. Hey, Soso, j'ai oublié de te demander, ton ami Ken a dû déménager subitement ? Oui. Voilà, c'est tout, fin de la discussion. Il m'a dit au revoir et te cherchait, il avait l'air drôlement triste. Bah, il a un crush sur moi. Voilà. C'est fâcheux. Enfin, les crushs deviennent intéressants. Ouais ! On peut me ralasse le fiac. Oui, c'est vrai, il m'a un peu fait de peine aussi, je dois avouer. Bah, il était super collant, tant mieux pour moi, je vais pouvoir respirer. Bah, il a fait un peu de peine, quoi. Il avait l'air de beaucoup t'aimer, il parlait tout le temps de toi, c'était plutôt mignon. Vous auriez peut-être dû essayer de garder contact. Ouais. Le chiang ? Oui, mais c'est pas notre ami. Ouais. Le chiang ? Merde.
Je suis dans un lycée. Ok, ok. Un peu, mais le basket est mon domaine de prédilection. Tout mon entraînement tourne autour de ça pour pouvoir devenir professionnel. Professionnel dans le sport ? Bah oui. Professionnel dans le basket, donc dans le sport, oui. C'est bien un loisir, mais trouve-toi un vrai métier quand même. Ça va pas ? J'espère pour toi que t'as un plan B. Mais les deux réponses sont méchantes. Ça m'étonnerait qu'il m'oublie ta vue, la phrase. Mais les deux phrases sont méchantes, là, ouais. Tu veux dire quoi à ça ? T'es gâcheuse, je te jure. C'est bien en loisir, mais trouve-toi un vrai métier quand même. Bon, bah écoute, on n'a pas le choix. Non, c'est mon rêve et j'y arriverai. Tiens, ça a augmenté la relation. C'est vrai qu'avoir un plan B, ça aurait été plus raisonnable, mais si je n'en ai pas, ça m'oblige à réussir mon seul et unique objectif. Bah, je te souhaite bon courage, alors. Je t'ai pas demandé ce que c'était ton race de chien, en fait. Un beau coron, un beau sauron, je sais pas comment on dit. Ah oui, c'est des chiens tout blancs, ça. Oh, je connais pas. Ah, c'est un des chiens dits dangereux. Soit tu veux dire tout noir, soit tu confonds. Il est où, le chien, là, les gars ? Oh putain, mais je perds des PA à lui parler, là. Au fait, et toi, t'as des animaux ? Oui. Sûr que toi, t'es un chien, toi aussi. Non, j'aime pas trop les chiens. Par contre, j'aimerais bien avoir un chat. Putain, je les cerne pas du tout. Là, vraiment, j'arrive pas du tout. Là, vraiment, mes crushs, ça crush pas. Encore de l'allergie, mais vous avez tous un problème dans ta famille ou quoi ? Mais les réponses sont salées. C'est pas amour sucré. C'est amour salé. Mais en même temps, je perds du temps à lui parler. En mode, c'est plus les crushs, mais juste le chien. Faut que je trouve le chien, là, avant toute chose, Marianne. Tu comprends pas. Dommage, tu devrais prendre un chien quand même à la place. Mais c'est trop. Amour spicy. Ah bah, c'est spicy, hein. Dommage, c'est vrai que c'est mignon, les chiens. Bah ouais, hein. C'est pas grave, je profite de ceux de mes voisins ou de ceux que je croise dans la rue. Très bien. Très bien, très bien. Les gars, je trouve pas le chien. Merci, Kispou. Ce soir, de toute misère, je l'aime. C'est la pire de tous, oui. De toutes. Donc quoi ? On trouve pas de kiki. Il n'y a pas de kiki là. Bah vas-y, backseat-moi, il est où le kleps ? D'ailleurs, pourquoi tu n'aimes pas les chiens ? Il a pas dit qu'il aimait pas, si ? Ah si, je sais pas trop, ils sont trop collants et un peu bêtes. Bah ça va. N'importe quoi, c'est pas bête un chien, hein ? Si tu le dis, je n'en ai jamais eu après tout. Je suppose que juste que c'est pas mon truc. Ok. Ah, c'est possible qu'ils soient en ville ? Ah, c'est vrai que je reste à l'école, mais peut-être qu'il est pas que au lycée. Il est où Kiki ? Kiki ? Ouais, Ken, parfaite définition. Il me semble qu'il faut trouver ses jouets et après le chien va pop. Mais j'ai tout trouvé là. C'est où qu'on voit les trucs qu'on a ? Objectif. Retrouver le collier, la laisse, le jouet. Ça y est. Regarde. J'ai le jouet. Ah, il me manque un truc ? Non, j'ai tout. J'ai les quatre objets de la quête. Réussir à attraper Kiki et le rendre à la directrice. C'est pas bête, non ? Mais attends... Mon chat réagit à son prénom. Trop chou. Le chien va pop, ok. Il y a 5 illustrations dans cet épisode. Le chien. Kiki. OMG Kiki. Kiki. Kiki, il a kikité là. Arrêtez tout, Kiki, Kiki, quitte. Vous avez pas vu Kiki? Mais t'imagines, elle cherche le chien et elle va de crush en crush et elle dit... Alors toi, disons, t'es plutôt chien ou chat? Ok, je continue. Alors soit sinon, t'es plutôt chien ou chat? Ok, je continue. Et c'est aussi bien caché que ce chien. La balle perdue pour Grimm, je hurle. Notez qu'avant les PA, c'était quand tu bougeais. Donc pour les vieux épisodes, les persos et missions peuvent mettre du temps à pop. Ah... Petit, allez viens, regarde, j'ai ton jouet, ton collier et ta laisse. Mais comment il a fait pour tout perdre ?
je lui ai rendu Kiki. « Merci, mademoiselle, l'idée de perdre Kiki me stressait énormément. Maintenant que j'ai pu le récupérer, vous pouvez reprendre vos activités normalement. » De rien, madame. Retournez à mes activités. Je vais peut-être aller faire un tour dans mon club. Ok. Allons faire un tour dans le club. Non, merde, club jardinage, on s'en balèque. Gymnase. Ce lycée est vraiment sympa. Ouais, il est pas mal, c'est vrai. Bon, je vais devoir retourner à mon entraînement. Ok, à plus alors. En attendant, en parlant d'entraînement, je voudrais bien me rendre un service. Putain, je suis juste la boniche de tout le monde. J'étais en retard ce matin. Alors, j'ai fait mon sac en vitesse, du coup, j'ai oublié de prendre de l'eau. Tu pourrais m'acheter une bouteille, s'il vous plaît? Oui, par contre, il me faut des golds. Parce que moi, si tu veux, je suis tout simplement pas là pour se servir de banque, en fait. Hein. Cool, merci. Je reviens dès que je l'ai. Acheter une bouteille d'eau, elle l'a ramenée à... Ouais, d'accord, donc il m'a pas donné de golds. Allez, très bien. Allez, très bien. On va aller en ville, hein. J'imagine. I'm guessing. Bijouterie. Mais comment ça, bijouterie? Oh my gosh, la bague Barbie. Bref. Bazar, bouteille d'eau, 1 golds. Bah, tu as intérêt de me rembourser, mon con. Moi, je te le dis. Hop. Lycée. La musique, elle musique comme ça d'un coup là. Calmons-nous. Voilà une bouteille d'eau. Hein. Mais la musique? Mais la musique? Il y a un truc qui s'est ouvert? Pourquoi elle pète un boulon comme ça la musique? Ça va pas bien. Merci beaucoup, je te dois combien? 1, mais elle, t'es pas obligé de me rembourser. Elle m'a coûté 2 golds. Oh, ça, c'est trop. Non, c'est bien, ça arrive. Ah ouais? Musique toujours aussi adéquate aux situations, je te jure. Rien, prends-la, je te l'offre. Bah, vas-y, obligé. J'ai pas besoin de charité. Tu m'as rendu service, c'est bien suffisant. Ça coûte combien une bouteille d'eau? Dans les 1 gold, je suppose. Tiens, voilà. Non, mais alors là, c'est trop. Alors là, c'est trop. Moi, j'essaie d'être sympathique. C'est comme ça qu'on me traite? Non, là, vraiment, je trouve ça juste aberrant. Aberrant. J'ai pas d'autre mot. Aberrant. Oui, oui, merci, I'm guessing, en fait. Non, mais on est où, là? Attendez, parce que... Pourquoi il y a mon stream de Loki qui s'ouvre, là? Ça va? Remarque, pourquoi pas? On pose notre lurk. Alors. Au fait, tu as récupéré ce chiang? Ben oui. Le basket, c'est qui? Je dois le connaître. Il est dans un lycée de sport. Il est juste là de façon exceptionnelle pour s'entraîner. Un squatteur, quoi. Quoi, t'es jaloux en... dans tes rêves, ouais. Oh, comment ça a baissé le niveau? Je suis à moins 83. C'est une dinguerie. Tout le monde déteste Soso. Bah, t'as vu sa tête, ouais. Loup. J'ai jamais été aussi bas avec Cassiel. Mais comment j'ai fait? Le pire, c'est que je fais même pas trop exprès, tu vois. Allez, on vise les moins 100 pour dire qu'on l'a fait. Non, mais je cherche même pas à le faire, en plus. Je suis mort. J'ai perdu mon pendentif. Je l'ai posé sur un banc avec ma serviette et ma bouteille d'eau a disparu. Bah, c'est con. Voilà, c'est con. Un collier, je peux essayer de le retrouver, mais ça sera pas gratuit. Faut faire attention à tes affaires et ça arriverait pas. Les phrases sont si violentes. C'est violent, hein? Quel collier, tu as besoin d'aide? C'est un pendentif de la Martinique, c'est comme un porte-bonheur pour moi, tu peux essayer de le retrouver. Bah écoute, pas là. Pas là, du coup, qu'est-ce qu'il ferait dans la cour? Non, j'en ai marre, par contre, de chercher des objets, là. Retrouve le collier perdu et ramène-lui. Écoute, il l'a perdu au... J'espère que tu as pu le retrouver, pas encore. Pardon, je voulais pas revenir là. Couloir principal. Ah ouais, moi je souffre là. Hein. Ah, la musique est random, Azef. Oh putain! Ambre et ses copines sont en train de discuter un peu plus loin. Je me demande bien de quoi. Je vais m'approcher un peu. Vous avez vu le type? Pas du tout, j'ai pas écrit type. Vous avez vu le mec qui vient du lycée sportif? Trop mignon! Je ne sais pas si on va le revoir, alors j'ai pris un petit souvenir pendant qu'il était occupé à s'entraîner. Oh! Le collier, hein.
Je l'ai caché dans mon casier, les cours allaient reprendre, alors je n'ai pas eu le temps de le fermer à clé. Il faut que je me dépêche de le faire dès que les cours finissent. Les vilaines. C'est là ? Allez ! On trouve pas le collier, nous ? Tu veux que je te dise où il était ? Je te dois une fière chandelle. Chandelle, celle-là, elle est pour toi. Merci beaucoup pour le follow, Gabi. Merci, merci, bienvenue. Damn, les poufs. Une fière chandelle YouTube, exactement. Exactement. Il te doit quelque chose. Attends, je me suis retournée pour voir qui c'était. Oui ? Je repars ce soir dans mon lycée, mais on a encore une heure ou deux d'entraînement. Ça te dit de venir regarder ? Ah, je crois qu'il a une heure, j'ai une heure ou deux devant moi, ça te dit d'aller dans les vestiaires ? Merci Emma pour le follow, bienvenue. Chantal, ça va dribbler dans les culottes. Pourquoi pas, oui ? Oh ! Non, les gars. Tu peux me backseat, Coco ? Il nous faut l'élu, là. On dit toujours oui pour mater. Exactement, Léa. Exactement. Vert. En fait, moi, je me dis... Ouais, voilà, pom-pom girl, donc avec son t-shirt de basket. Mais peut-être que comme l'autre est plus cher, en théorie, c'est peut-être une tenue qui lui plairait plus. Tu vois ? Enfin... Attends, ça veut rien dire, cette phrase. Mais peut-être que si elle vaut plus cher, c'est parce que c'est celle qui est déverrouille l'élu, non ? La deuxième, normalement. La basket. Remets-toi en pige. Pourquoi pas, hein ? Oui, t'inquiète, Coco, prends ton temps. Placarde-nous contre ton casier, mais ouais ! Par contre, les chaussures, elles sont lunaires, les chaussures de la tenue rouge. Elles me fument. Elles me fument de fou, les chaussures. C'est dommage, est-ce qu'on peut avoir des lunettes dans le jeu ou pas ? Je te dis si c'est bon ou pas. Bah du coup, c'est spoilé dans le chat. C'est pour le gars du club jardinage. Ah, ok. Donc le basket, quoi. Ok, bon bah du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, je disais, est-ce qu'on peut pas avoir des lunettes dans le jeu ? Parce qu'en vrai, est-ce que ce soit là des lunettes ? Pas une bonne idée, ils peuvent s'induire en erreur. Ouais, mais du coup, le basket quand même ? Mais oui, là, c'est ça, ok. Au fait, si tu es dans le club de basket, tu dois bien avoir des joueurs préférés, non ? C'est qui ? Zac Efron, Denzel Washington et Will Smith, Tony Jordan, Scottie Nathan et Michael Parker. Michael Jordan, Scottie Pippen et Tony Parker. Mais ça va, hein, je connais quand même, hein, Zac Efron, ça va. Bon, je dois retourner à l'entraînement, je suis d'accord à ce soir-là au premier rang. Ça marche ! Je vais vous regarder jouer en... C'est vraiment 2011, hein, pour avoir mis Zac Efron dans la liste, je les regarde jouer avec le reste de l'équipe, il a l'air vraiment doué. Il a peut-être des chances de finir en tant que professionnel après tout. Il n'y a pas le après tout, mais bon, vu ce qu'elle lui a dit. C'est ça, Lilu ? Elle est même pas dessus ! Oh, le six-pack ! Il y a de l'abdal. J'ai pépé. Elle est même pas dessus, Lilu ! Qu'est-ce qu'on en avait à foutre de la tenue qu'on choisissait, du coup ? Chantelle, ses lèvres. Urgence ! Chien perdu ! Ah non ! Oui, le plan est complètement improbable. Enfin, genre, qui a pris cette photo ? Non, c'est trop. Vraiment. Fin de l'épisode 3. Moment avec mon crush. Ah, du coup, ouais, j'ai un nouveau crush. Franchement, c'était parfait. L'épisode était parfait. Ah, on n'a pas vu ce personnage-là. C'est si t'es dans le club jardinage, j'imagine. Ok. Ouais, c'est vrai. On reste dans le thème du chocolat, hein, Fluff. Une rumeur court comme quoi il y aurait un fantôme dans le lycée après les cours. Vrai ou faux ? À toi de trouver. Oh, l'émission. Vous savez, les petites séries Disney Channel, là, les petits épisodes de 20 minutes, un peu décousus, t'en loupes 2-3, c'est pas très grave. Bah là, c'est un peu ça, je trouve.
À partir de maintenant, je te mettrai des attends dans le chat quand il y aura des choix importants pour l'élu. Ok. Ok, ok. Oh my god, oh my gosh, mais elle régale la tata là. C'est trop. Et salut toi, alors tu t'amuses bien? Oui. Regardez Soso. Regardez Soso. Non, c'est trop. Chouette, tant mieux. Tu sais que tu peux gagner plus de PA avec le mini-jeu Flower Power? Tu as accès depuis ta chambre grâce à la console de jeu sur ton lit. Pense à y jouer tous les jours. Oui. Super, alors je te laisse commencer cet épisode 4. Bon jeu, oui. Ah, j'oubliais, si jamais tu as du mal sur un épisode, n'hésite pas à consulter la partie assistance et la section guide des épisodes solutions sur le forum. Oui. Oh là là! Mademoiselle, vous êtes bien une élève ici? Oui, pourquoi? Je suis le nouveau professeur d'histoire, je suis un peu en retard, je ne connais pas bien l'établissement, j'aurais besoin qu'on me le montre. En fait, je suis relativement nouvelle ici, s'il vous plaît. Je n'aimerais pas faire mauvaise impression dès mon arrivée. C'est trop tard. C'est fort, je risque de couper. Oh non! Mon internet va couper. Oh! Courage, courage, Coco! C'est fort. Putain. Faites attention à vous. Tu me tiens au courant, en tout cas. Repose-toi bien, Alice! Vous êtes trop chaud dans le chat. Je sais pas si ça a déjà coupé ou pas. Oui. De Soso, tu veux dire, Léa? S'il vous plaît, je n'aimerais pas. Re, c'est good, pardon, mais vie, ça fait que ce que tu veux, 24h, c'est trop. C'est good, enfin, pour l'instant. Ok. Ok, pas trop de... T'es pas trop inquiète, ça va, toi? S'il vous plaît, je n'aimerais pas faire mauvaise impression dès mon arrivée ici. Eh bien, d'accord, je suppose que je peux vous montrer les endroits que je connais. Merci beaucoup, je vous suis. Monsieur Farez t'accompagne maintenant à travers le lycée. Ok. Bah, là, c'est la salle de classe. Voilà. Bah, là, c'est la salle des délégués. Voilà. Ah, bonjour, monsieur, bienvenue. Donc ici, c'est la salle des délégués. Si vous avez besoin d'aide la prochaine fois que je vous conseille de demander à Nathaniel, il est prêt à tout pour se faire bien voir. Oh mon Dieu! Et la prochaine fois que je vous demande un conseil, il est très serviable. Voilà. Hop. Et puis ici, c'est la cour. C'est Monsieur Farès, le nouveau prof d'histoire. Tiens-toi bien, Cassiel, là, un peu. Putain, je suis toujours en tenue de basketteur. Ok, tant mieux, Coco. Mais il veut que prouver, je te jure. Donc ici, c'est la cour. Je vous conseille de pas y venir si vous ne voulez pas faire de mauvaises rencontres. Vous pourrez voir cette charmante racaille ici présente. Il a pas aimé. Mais je crois qu'il allait... Mais en fait, il a pas d'humour. Il a pas d'humour. On n'a pas le même humour, lui et moi. Il a pas aimé. Il a pas aimé. Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. Mais oui. Mais la Dirlo, elle prend Kiki sous le bras, elle lui fait visiter. Je connais le mot humour. Allez. Je suis avec mon gros fiac on fire, je secoue toute la ville. Ok. Bah là, c'est le club de jardinage. Voili voilou. Voili voilou, comme dirait Coco. Et puis là, c'est le gymnase. Voili voilou. Kiakou kiakou. Fermez la discussion. Bah merci. C'était vraiment un super mission. Comme qui dirait. Mais qui voilà? Tu tombes très bien, on va manger dehors ce midi, mais Charlotte a oublié de prendre son argent. Tu vas nous aider, non? Je ne crois pas. Oula, j'ai failli mettre clic. Hein. Tu crois vraiment qu'on te demande les problèmes? Tu crois vraiment qu'on te demande ton avis? Ambre m'a poussé, s'est servi dans mon sac et est reparti comme si de rien n'était. Oh, on a perdu des golds ou pas? J'en ai vraiment par-dessus la tête quand même. Cette fois, je vais vraiment pas me laisser faire. Il faut que je trouve un moyen de me venger. On va voir le frère. Cette fois, c'est moi, Cambre, à raqueter. Tu vas faire quoi maintenant? Quoi, tu es sérieuse? C'est pas la première fois que je t'en parle. C'est un jeu dangereux. Mais c'est un jeu qui me plaît.
suis vraiment désolée, c'est vrai qu'elle est difficile aussi à la maison dernièrement. Je peux te rembourser peut-être. Elle m'a pris 2 gold. Ok ? Et hier, j'ai dépensé 1 gold pour une bouteille d'eau. J'ai perdu 3 gold en 24 heures. C'est bon ? C'est trop ? Couché avec le frère. Oh, mais je te jure, on va se battre, Emma. C'est trop. C'est pas pour l'argent, tu pourrais lui parler pour qu'elle me fiche la paix au moins ? J'insiste, prends ces 3 gold, putain. J'ai gagné 1 gold. J'essaie de lui parler aussi, mais je ne sais pas si elle va écouter. 15%, hein, on est sur le point de pécho. Oh putain, elle est encore là, elle. Je suis pas trop fan de cette pote, là. Tu n'as pas l'air très en forme aujourd'hui, non, de bonne humeur. Humeur, tu connais le mot humeur ? Tu peux le dire. Ambre m'a pris de l'argent. Oh, je suis désolée, est-ce que je peux faire quelque chose ? Bah ouais, est-ce que t'as 5 balles pour compenser ? Pas vraiment, à moins que tu aies une idée pour me venger d'elle. Je sais pas, tu crois vraiment que ça peut régler le problème ? Oui. Oui et non, je me fiche, je veux juste qu'elle paie un peu pour son comportement. Bon, d'accord, je vais voir si je pense à quelque chose. Ah putain, le lovometer a baissé. Ok, merci. Salle des délégués. Est-ce que tu es allée la voir ? Pas encore, j'ai pas eu le temps. C'est sérieux, c'est ta sœur, bouge-toi. Sérieux, c'est ta sœur, bouge-toi. Ok, je repasserai. Bien sûr, je te tiens au courant. Si elle est vraiment ce genre de bêtise, c'est grave. Il faut que je lui parle rapidement. Bah vas-y alors. On va dans la cour. Aïe. Oh, blâme. Blâme. Aïe. Mais qu'est-ce que... Quelqu'un m'est rentré dedans. Dis donc, fais attention, tu marches. Quoi ? C'est toi qui m'as foncé dedans ? Désolée, je t'ai pas vue. C'est pas grave, en fait, je vais voir mon petit ami. Je suis un peu pressée, j'ai pas fait vraiment attention. Ton petit ami, hein, c'est quelqu'un d'ici. Hein. Non, il n'est pas dans ce lycée, tu ne dois pas le connaître. Au fait, moi, c'est Rosalia. Encore désolée pour la bousculade, à plus. Bah voilà, bah Rosalia, le lovometer, il est avec toi ? Je dirais, il est cramponné au bureau des délégués. Je te jure, on l'a jamais vu ailleurs. Jamais. Quelqu'un nous rentre dedans, malheureusement, pas Cassiel. Ah, Fluff, t'as un petit crush. Plot twist, Nat et sa sœur se la jouent Lannister style. Grim. Je me demande à quoi ressemble son petit ami. En tout cas, elle est super jolie. Et quels cheveux. Oui. Bah oui. Bah oui. C'est pas moi qui va nier, hein. Oh, la directrice passe dans le couloir. Bah là, on est dans le gymnase, en fait. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Elle est repartie. Ouf, pas de chien perdu pour aujourd'hui. Ah, ok, c'était tout. Oh, Ambre est vraiment une sale gosse. Hein. J'hallucine. Tu sais que je me suis fait voler de l'argent par Ambre. Pff, enfin fini de faire visiter le lycée à ce prof. T'es sérieuse? Tu t'es pas défendue? Ben, qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein? Oh, mais là, on arrive à 100. Je n'en peux plus. Moins 93%. Comment on va remonter ça? Le pire, c'est que j'essaie même pas. Je le déteste même pas. Il me déteste. C'est lui qui me déteste. C'est pas moi qui essaie de pas avoir une affinité avec lui. C'est lui qui me hait. Il peut pas me saquer. Regardez ma tête de peste aussi. Ah ouais, non mais là, tu sais, de fou, hein. Il est grave chiant et relou de fou, Déborah. Avoir moins 100 avec tous les persos. J'y tape. En vrai, c'est grave possible. J'ai une idée pour toi. C'est vrai, c'est quoi ton idée hein ? Eh bien, comme Ambre est très portée sur la mode, je suis sûre que ça l'embêterait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Tu devrais essayer. Merci, je vais essayer. Je n'ai rien à perdre après tout, à part de l'argent. Putain, il y avait le truc. Je crois que ton idée est nulle. C'était horrible, mais je vais essayer. Let's go shopping. 78 gold. Attends, mais elle a pas de chaussures ? Worst advice ever. Oh non, mais c'est ça. Ou alors, tu sais, le conseil, c'est comme dans le film Mean Girl, là, où tu sais, elle fait des trous au niveau des nichons. Et du coup, après, tu vois le soutif et tout. Incroyable. Pourquoi elle a pas de chaussures ? Ma chérie, ça va pas du tout. C'est pas magnifique, là. Ça va pas du tout. T'as 78 golds pour ne pas avoir de pompasse. Les godasses, elles sont où ? Chandelle !
Ouais, ça se trouve cuichette, hein. T'as même pas de pas. Il y a un short. Nos pompas, du coup, pompénade. Mais c'est ça, la Lodi. Il y a pas de... Mais surtout, il y a pas de choses. Vas-y, hein, moi j'achète. Ah, on garde nos shoes et notre futal. On change juste le top, en fait. Regardez. Regardez son look ici même. Regardez son Lucas, là. Oh, incroyable. Voilà, maintenant, voyons sa réaction. Ambre, à nous deux. Les problèmes. Ok, retourne dans le couloir. Alors, Miss, t'as un peu d'argent de poche pour moi aussi? Oui, bien sûr. Attends, je regarde combien j'ai sur moi. Dans tes rêves, oui. Mais, en plus, j'étais en mode lol, tu vois, je suis en mode... Oui, attends, je regarde combien j'ai sur moi. Tiens, regarde, c'est ça sur moi. Et lui, là, ça y en a moins 100. Mais t'es sérieuse? T'es vraiment débile? Tu t'étonnes de te faire raqueter. Voilà, goal. Goal atteint. Everybody makes mistakes. Coucou Tiff! Mais t'es vraiment débile ou quoi? Oui. J'ai pépé, dommage, on peut pas répondre oui. Alors, allons dans le couloir principal. Oh, on porte le même haut. Oh, ça bouge, ça bouge. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié de me donner quelques gold, c'est ça? Partir. Vite. C'est un échec. Ah non, ça va. Eh, attends, mais c'est quoi cette tenue? Ben, tu vois, j'ai investi ce qui me restait d'argent dans des fringues de mode. Dans des fringues de mode. Dans des fringues de mode. Elle est lunaire, cette phrase, ou c'est moi qui bug encore? Oh, t'es trop choutif. Repose-toi bien, ma vie. On l'a chopée par la tignasse, elle dit Emma. On l'a chopée par la tignasse. Ça pose. Regardez ses yeux. Le serpent qui te regarde dans les yeux. Bon, bref, elle investit dans des fringues de mode, en tout cas. Mais ce sont les mêmes vêtements que moi. Ouais, ils sont pas terribles, hein. Elle ne dit plus rien, elle a l'air énervée. Je crois que j'ai réussi mon objectif. Dans des fringues de mode de style géométrique. Exactement utile. Elle serait choc-barre de foulou. C'est vrai, désolée, mais ces vêtements-là ne te vont certainement pas aussi bien qu'à moi. Tu as tellement peu de goût que t'es obligée de copier mon super style pour essayer de ressembler à quelque chose. Rah. Ben alors, tu dis plus rien? Allez, c'est pas grave. Si tu me paies assez cher, je serai peut-être d'accord pour t'apprendre quelques notions de mode. Non, non, je refuse. Ça va pas se passer comme ça. Il faut que je trouve autre chose. Nathaniel. Je suis mort. On a plus d'affinité avec la peste qu'avec le bad boy. Ouais. Mais les gars, avouez, je fais pas exprès. Tu ne l'as toujours pas vu, n'est-ce pas? Non, en effet, désolée. Bah, elle est dans le couloir. Voilà, elle me bully. Voilà, elle est pas loin. Sors de ta putain de salle déléguée, mon gars. Et vas-y. Bon, je veux me venger de ta sœur. Les lines sont lunaires. Les dialogues sont lunaires. Je kiffe. Bon, il faut que je trouve quelque chose pour rendre la monnaie de sa pièce à ta sœur. Bon, tu vas pas m'aider à filer une correction à ta sœur? Tu veux pas m'aider à filer une correction à ta sœur? Ouais, de fou grim. Y a pas beaucoup de plantes. Dans ce lycée, hein. Dans ce bout de chic. Avec ses stylos en mode prof de chimie, là. Lunatiquement. Putain. Si pépé, tu prends la face droite, moi je suis pas d'accord. Ah, vous me butez ce soir, c'est trop. Tu veux te venger? Est-ce que ce n'est pas un peu stupide d'agir comme elle? Je veux faire pire qu'elle. Ça va, attends, rien de bien méchant non plus. Ben apparemment, l'administration ne fait rien, alors je vais me débrouiller. Mais j'ai l'impression que quoi que je réponde là, je vais perdre des points avec lui. Y a pas moyen? Y a pas moyen? Jaja.
que là, ça se passe bien. Tu peux pas cautionner ce genre de choses, Suzette. T'es pas obligée d'être au courant. Bon, je suppose que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Je vais d'abord lui parler, d'accord? Et promis, si elle veut rien savoir, je t'aiderai à lui faire une mauvaise blague. Ok, ça marche. Il va m'aider à lui faire une mauvaise blague. Non mais c'est lunaire. Il fatigue de fou, t'as raison lunatiquement. Bon, il faut que j'essaie d'arranger les choses. Alors, venger des pains bêches? Non, j'ai pas eu d'idée bien brillante. Et pourtant, c'est pas très compliqué. Si tu as des idées, je suis preneuse. J'en sais rien, moi, j'y ai pas réfléchi, hein. C'est sûr qu'un voyou comme toi doit avoir plein d'idées. Allez, s'il te plaît. Ou arrête de brailler comme ça. Putain, je croyais qu'il allait kiffer. T'as qu'à taguer son casier et mettre un truc dont elle a horreur dedans, et voilà. Ok, taguer son casier. Et le truc dont elle a horreur? Je la connais pas, hein. Je m'en fiche, alors débrouille-toi pour ça au moins. Ok. JPP. Tomber love d'un voyou. Qu'est-ce qu'on va foutre dans son casiax, là? Alors, tu as essayé? Bah, tu le vois bien ou pas, du con, là? Oui, je porte ton haut, là. Je l'ai fait, mais je me suis juste affichée, là, presque pas réagi. Oui, ton idée était plutôt naze. Ton idée était plutôt naze. Je suis obligée. Je suis désolée, ce n'est vraiment pas mon fort de faire ce genre de blague aux gens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher une autre idée. J'en ai les larmes, c'est trop. Je suppose que je suis plus dans le coup, alors. Ne sois pas trop méchante avec elle, quand même. Ah, je suis trop... Ah non, alors vraiment, je suis mort. En fait, je le tag avec quoi, son casier? Avec tes doigts? Ben, j'ai jamais fait ça avant, et pour de vrai. Très drôle. Si je te dis avec une bombe de peinture, c'est la révélation du siècle pour toi. Après, faut dire que Soso est conne aussi, hein. Genre, pourquoi tu lui demandes comment taguer le casier? Évidemment, tu prends une bombe de peinture. Arrête, je peux encore pécho Nat, non, Coco? Je peux plus pécho Nat, là? Poussez-vous, la connerie. Ok, j'ai compris le message, hein. Elle est bête aussi, le tasier. Elle a dit ça, la dame, elle a dit tasier. Voilà. C'est drôle, ça, June, hein? T'as pas eu de coup de cœur, si? J'ai pas eu l'impression. Ah oui, moi, personnellement? Non, pas vraiment. Le message épinglé. Non, par dépit, comme ça, j'irai vers Nate. Nate, Nathaniel. Mais non. Je te jure, ils sont trop drôles. Elle est où, la conne? Au fait, je t'ai jamais demandé, mais Ambre, elle ne t'embête pas, toi? Bah non, pas vraiment. Je pense qu'elle choisit ses têtes de turc. Et puis, on se connaît depuis très longtemps, ça joue sûrement. Bah, très intéressant de savoir ça. Bon, t'as parlé à ta sœur, toi? Il est pas là, le con. C'est bon, t'as réussi à faire rager Ambre? Je travaille encore. Ah oui, alors c'est vrai, attends, il faut que je trouve un truc. Qu'elle déteste? Attends, c'est ça l'objectif? Oups, ça n'a pas marché. Trouve un autre moyen de venger Ambre. Trouve deux moyens de se venger d'Ambre et exécute-les. Trouve une bombe de couleur. Ah bah, faut que j'aille en ville, non? Smash or pass. On ne devait pas chercher un fantôme à la base. Putain, c'est vrai ça. C'est vrai. Il reste 36 épisodes, t'as le temps de te rattraper même avec Astoche. Ah, ça va. En plus là, je plaque Framille pour son fiac. Ah ouais? Nat peut m'encastrer dans le mur et me frapper le fiac, mais à part lui, personne ne sort du jeu. JPP. Bisous ma rouge, à demain, repose-toi bien mon bébou. À demain pour Coralie et Lamonde. Très bien. Bisous ma rouge. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. Mes épisodes. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je voulais faire, le lycée. Oh, la musique qui recommence. Merde, c'est pas là que je voulais aller. Ta gueule. Fermez la discussion. Putain, j'ai perdu des PA à cause d'elle. Là, le casier, il est où? Attends, je peux pas? Comment je fais? C'était quoi déjà? Objectif. Acheter le même. Ok. Trouver une bombe de couleur et s'en servir pour taguer le casier. Faut que je reparle peut-être à Cassiel, non? Il est pas là. Je peux pas taguer la directe? Je fais un ménage Peggy 18 de Nathalie dans Campus Life. My rectum is on the floor. My rectum is on the floor.
Mais qu'est-ce que quoi? Les gars, comment je fais pour taguer Coco? Merci pour le lurk tie. Ouais, la musique, je sais pas, elle pète un crâne. Ah, le bazar, mais j'y suis. Ben, je viens d'acheter les produits, mamie. Je viens de les acheter. J'ai acheté la... J'ai acheté la... La peinture et les araignées. Tout se passe dans le bordel. Et là, du coup, je retourne au lycée. Mais je peux pas taguer. Je récophone où? Oh putain. J'allais voir Nat, ok. Il est pas là, il est où? Nat! Dis donc toi, tu te prends pour qui, hein? T'allais te plaindre à mon frère, hein? Il t'a enfin parlé alors? Oui, il a même osé être de ton côté. Ouh! Pour une fois, après tout ce que t'as fait, bitch. Tu sais quoi, je m'en fiche. Mon frère, il est juste délégué. T'as pas intérêt à recommencer ou tu le regretteras vraiment. Parce que de toute façon, j'ai aussi la directrice dans ma poche. Ah ouais? Eh ben moi, j'ai cherché Kiki toute la journée. Donc je peux te dire que je l'ai dans la poche aussi. Super, encore des menaces. Nat? J'ai finalement pas d'ombre. Bah j'ai vu du con. J'avais remarqué, j'ai pas tenu 2 minutes sans me faire agresser. Ça servait à quelque chose ce que tu lui as dit. Ça, je sais, merci, je viens de me faire agresser. Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi? Parce que ça a pas l'air très efficace. Vraiment, je suis désolée. Je lui ai dit que je la laissais pour cette fois, mais que j'allais dénoncer à la direction si elle recommençait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Elle l'a très mal pris et m'a répondu que si je faisais ça, elle irait dire aux parents que je m'acharne sur elle à l'école. Bien fait pour toi. Oh putain, les deux réponses sont horribles. Bien fait pour toi depuis le temps que je te le dis que ta sœur est une peste. Et alors, c'est pas vrai, non? Eh bien, j'étais toujours méchant avec elle quand on était petit, du coup, c'est resté et mes parents la croient toujours. Ok. Ouin, 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 ouin. Mais apparemment, je suis quand même très surpris de ma sœur. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça à l'école. J'aurais peut-être dû t'écouter avant. Oui. Franchement, oui. Franchement, je dis pas toujours des conneries. Tu reconnais enfin tes torts, tu vas me rendre un service alors, hein? Pour te faire pardonner, tu vas me rendre un service, c'est pas grave, tu vas me rendre un service. Les phrases sont lunaires, hein? Bah, c'est pas grave, mais du coup, tu me dois quelque chose. Tu parles de la petite vengeance, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux exactement? Fais la virée du lycée! Quelques indices, quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier. Bah, les araignées, j'imagine, du coup. Puisque c'est ce que j'ai pu acheter. Hein. Putain, toujours pas! Cassiel? Non? Gymnase? Encore vous? Traînez beaucoup dans les couloirs. Oui. Oh, non. Mes frères, c'est trop. L'autre est relou, mais il a un peu de caractère. Ouais. Mais pourquoi hein? Sur ce, je réfléchis à ce que tu m'as dit. Ah, ok, c'est bon. Je t'écoute. Hein. Moi, j'ai pas de araignées. Ok. Ok. Ok, mais c'est bon, j'ai acheté des araignées en plastique. Mais pourquoi? Mais je les ai déjà achetées! Cacher les araignées. Ah, c'est bon. J'ai fini de cacher les araignées dans son casier et j'ai commencé à taguer son casier avec la bombe. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je me suis fait surprendre par une de ses copines, hein. Tu tagues le casier d'Ambre? Quand je vais lui dire ça, elle va être furieuse, hein. Il a essayé de m'arracher la bombe des mains et on a continué à se disputer. Les problèmes. Les problèmes. Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais je rêve, dégradation des biens de l'école, vous allez être punis toutes les deux. C'est vous qui avez tagué la crache d'escalier aussi? Vous serez de corvée toutes les deux après les cours pour nettoyer tout ça. Et vous avez intérêt à le faire. Bon, et ben voilà. Tac, lui la tronche. Ouais, bien me voilà punie avec une cage d'escalier à nettoyer. J'hallucine comment la directrice m'a punie avec toi alors que j'ai rien fait. Hein. Tu t'en sors bien. Ne sois pas en retard à la fin des cours, je te préviens. C'est pas moi qui vais frotter. Ah ouais, hein. Bah c'est ce qu'on verra, ma belle. Trouver de quoi nettoyer le tag et avant la fin des cours avec lui, profiter. Putain, la musique, c'est quelque chose, hein.
Il paraît que tu es puni. Je suis désolée pour toi. C'est pas grave. Hein. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Non, ça va aller. Ça te ferait rester après les cours, toi aussi, mais merci. Comment je fais? La musique, elle pète un crâne, là. Soso, la directrice vient de passer m'informer que tu es puni car elle t'a vu. Mais... Ah, oh, c'est bon, toi. Il m'énerve, lui. C'est bon, c'est trop. Où elle a fait ta tétée quand on a besoin d'elle. Je te jure. Elle a dit... Non, mais la musique, elle me surfume. C'est trop. La directrice vient de passer m'informer que tu es puni car elle t'a vu en train de taguer un casier avec Lee. Oui, j'étais surprise par Lee. Il s'est retrouvé mêlé à ça. On est punis toutes les deux. Hein. Oui, c'est ta faute. Hein. Ouais, ça retombe sur moi alors que c'est la première fois que je fais quelque chose. Bon bah écoute, on assume. Hein. Je t'avais dit que c'était quand même une mauvaise idée. C'était tentant, j'ai pas eu de chance. J'ai juste été au mauvais endroit au mauvais moment, mais je le referais pas si je pouvais. Décidément, tu es puni en quoi alors? Je dois aller nettoyer la grande escalier. Hein. Oh, je vois, je vais m'occuper de te préparer un seau avec un produit et une éponge. Je les laisserai en salle des délégués pour que tu puisses les récupérer quand ce sera prêt. D'accord? Tu n'as qu'à passer vérifier de temps en temps. Bah ça va! C'est bon, hein? Merci beaucoup, hélicoptère, pour le follow, bienvenue! Alors comme ça, tu as voulu me faire un sale coup et te voilà puni. Lee m'a tout raconté. Oh, mais Lee aussi, elle est punie, hein, donc voilà. Lee aussi est punie, je te signale. Ah bah c'est ce qu'on... Soso et moi sur la même longueur d'onde. Voilà. Oui, enfin c'est pas un... Je devrais pas être fière de ça, mais... Oui, oui, mais elle va juste venir avec toi pour vérifier que tu fasses bien les corvées comme demandé par la directrice. Hein. D'accord. Cassiel! Ma petite vengeance s'est retournée contre moi. Comment ça? Ton idée trop naze, là. Je me suis fait griller alors que j'étais en train de taguer son casier. Mais t'as fait ça en plein après-midi? T'es bête ou quoi? Putain, il loupe pas une occasion de me flinguer la tronche. C'est une dinguerie. Ça marche, Célé. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques heures avec nous. Bonne nuit, Célé. C'est bête ou quoi? Non, mais je te jure, on est où, là? Après, il a pas tort. Oui, enfin, ça, faut pas le dire. T'aurais peut-être pu me prévenir avant si tu t'en doutais. Moi, ben, c'est fait maintenant, je suis punie. Ok, bah, c'est bien. Non, par contre, comment voulez-vous que je remonte le truc, là? C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banque qui isole. Et là, j'avoue. Voilà. Merci beaucoup, I love Coca Cherry, pour le follow. Ouais, c'est vrai, Quitches, hein. Je t'ai pas trouvé les produits... Ah non, attends. J'ai pas trouvé les produits en salle des délégués, c'est pas prêt. Pas encore, désolé, mais tu verras, avec le projet, ça ne devrait pas te prendre trop de temps de nettoyer. Voilà. J'ai récupéré ce qu'il fallait pour nettoyer le tag, et c'est bientôt la fin des cours, je n'ai plus qu'à attendre Lee pour aller nettoyer. On est sur un truc vraiment là, pas piqué d'hanneton. Je rentre chez moi demain. Oui, bah à demain. Tiens, Cassie, elle récupère ses affaires dans son casier avant de partir aussi. Et frotte bien et pars pas trop tard si tu veux pas rester coincé ici pour la nuit. Soso, bon courage, j'espère que tu ne rentreras pas trop tard chez toi. Merci. Ah non, pas elle. Elle m'a juste lancé un sourire narquois en partant. Je suis de très près par Charlotte. Je ne vois pas Lee. Elle va me faire attendre longtemps comme ça. Elle est sûrement partie en douce. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Tu pensais partir peut-être? Mais non, je t'attendais ici, moi. Bon, tu as de quoi nettoyer. Suis-moi, on retourne dans les escaliers. C'est tout au fond du couloir. Ok, on va se faire des bisous ou pas? Compte sur moi pour nettoyer, hein. Je te laisse faire. Ok. Je dois pas littéralement nettoyer quand même. Ah, ça y est, c'est fini. Putain. Incroyable. Ça m'a pris pas mal de temps. Putain, mais il y a des tags partout, ouais. Je sais quoi, ce lycée. Oh. D'ailleurs, tout le monde est parti et il fait nuit. Nous, on aimerait Nat au fond de notre couloir. JPP. Charlotte, c'est quelque chose, hein? Charlotte. Ta musique, elle recommence à péter son crâne. Retrouver Lee et rentrer chez soi. Ok. Il faut que je me dépêche de retrouver Lee et rentrer chez moi. Couloir. Cage d'escalier. Qu'est-ce que tu fiches? Je pars 5 minutes et tu disparais. Quoi? Mais t'aurais pu au moins rester là le temps que je nettoie. Hein. Bon, t'as fini, c'est bon. On peut enfin rentrer chez nous.
On serait peut-être allé plus vite si j'étais, si tu avais aidé, hein. Le fantôme. La musique parfaite pour voir un fantôme. On fait avec les queues qu'on a. Message épinglé. Enfin, la musique. La musique pour le fantôme. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit un fantôme marseillais. Ok, ça marche. Je sais pas faire l'accent marseillais. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, c'est flippant. Un peu, oui. Mais il doit y avoir une explication. Tu essaies de me faire une blague, c'est ça? Tu crois vraiment que... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ombre! Merde, j'ai pas cliqué. Un fantôme! Lee et moi sommes rentrés chez nous à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme? Voilà, une nouvelle journée qui commence. Alors comme ça, on a peur des fantômes? Lee nous a raconté que vous avez entendu un bruit et que t'es partie en courant comme une fillette. La honte. Bah ça c'est bien, Lee. Hein. Ah, ça c'est bien, Lee. Hein. T'es pas partie, toi, peut-être? À d'autres, trouillardes, comme si le lycée était hanté. N'importe quoi. Lee exagère, elle aurait pu se taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu flippant. Mais les fantômes, ça ne doit pas exister. Enfin, je crois. C'était tellement grand, c'était sur le gros. Balai de nage. En vrai, ça m'étonnerait pas que ce soit Cassiel, genre. Cassiel, il traîne dans les couloirs, se fout, pendant la nuit. C'est un bad boy, après tout. Je vais refaire un tour là-bas, voir si je trouve quelque chose. Oh, Soso, ma vie! Non! Soso! Couloir 2. Couloir principal, cage d'escalier. Un fantôme dans l'école? Quelle drôle d'idée. Tu es un peu bizarre, je trouve. Je vais finir par passer pour une folle à demander à tout le monde. Bah disons que déjà, personne t'aime, en fait. C'est ça le problème, Coco. Soso. Je vous jure, c'est trop grave. Je lis le chat, je vois des messages et je... Ah! Soso, bien sûr. Cassiel, il voulait nous pécho. Dans la cage d'escalier, je crois, ouais. Oh, Coco, désolé, ma vie. C'est la balle perdue. En plus, la phrase n'était pas très sympa. Je suis pépée. Et rebelote, balle perdue pour Coco. Coco et Soso, c'est trop proche, les gars. Et j'ai bu un Sex on the Beach et demi. Je suis un petit peu... voilà. Rosella, trop belle. Ouais, par contre, de fou. De fou, de fou. C'est quoi, ça? Morceau de plastique. Tu peux juste un petit peu trop, là. Oh, il y a un truc, là. Mégot de cigarette, putain. C'est Cassiel. C'est sûr. Couloir principal. Cours. Tu vas pas croire ce qui m'est arrivé. Tu vas te taper la honte, Soso. T'as enfin trouvé Kiki? Quand il me tease. Mais quel humour. T'as raté un épisode. Bon, tu comptes me dire ta grande nouvelle ou pas? J'étais dans la case d'escalier avec Lee, on a vu un fantôme. J'ai vu un fantôme. T'as pas une petite idée? T'as l'impression que j'aime bien les devinettes? Si tu viens me parler, dis ce que t'as à dire. Mais dis pas que t'as vu un fantôme! On sait que c'est lui! Oh, elle va se taper la honte encore. C'est comme tous les jeudis, tu prends ta rive. Attends, t'as d'autres dés comme ça? Je t'assure, on avait fini de nettoyer les tags avec Lee et c'est arrivé. On est parti en courant. Ah, mais c'est vrai que t'étais dans la cage d'escalier après les cours, j'avais oublié. Dot, dot, dot. Ah oui, ça te dit quelque chose? Tu as déjà vu des trucs bizarres là-bas? C'était lui, le truc bizarre. Mais elle est bête ou quoi? Elle fait pas d'effort. Madame est pompette. Attends, quoi? Mais va pas pomper Cassiel. Oui, oui. Bah ça, c'est sûr, à moins 100, hein, c'est mal barré. Bisous, Sheldon. Repose-toi bien, passe une bonne nuit. Et coucou, Emeraude, comment tu vas? Maintenant que tu le dis, oui. Je me souviens d'une rumeur comme quoi, il y a quelques années, un prof est mort en glissant dans les escaliers et depuis, il hante les lieux. Elle dit t'es sérieux. Elle dit t'es sérieux. Mais t'es vraiment bête des fois, bien sûr que non, les fantômes, ça n'existe pas, fillette. Et tout, enfin, j'ai tout, laisse tomber. Okay. Non mais sérieux, ça te donne pas autant de mal, on s'en fiche, hein. Tu vas vraiment chercher? Oui, je reviens te voir dès que j'ai quelque chose. Parce que t'es têtu et t'aimes ça, Cassiel. Oh, la musique. On va trouver quelque chose, t'inquiète même pas. Oh, il a changé d'endroit. En plus, elle dit t'es sérieux en tirant la langue. T'es sérieux?
la chips la plus croustillante du paquet. Emma a dit banger sur banger. Hein. Ah non, il aime pas Cartomax négatif. Quitties, c'est qu'un détail. Ouais, exactement, Valky. Tiens, Valky, elle a dit les termes. Mais pour sûr, la plus salée. Ça te sème. Tu as capté. Alors, t'as fini par trouver Gasper? Pas tout à fait. Mais regarde ce que j'ai trouvé. Merci, Mademoiselle Strawberry, pour le follow. Waouh, du plastique et des mégots. T'as raison, tout s'explique maintenant. Ah ben, ça n'y était pas hier. Et alors, les fantômes, ça fume et ça mange du plastique, c'est ça? Il y a bien quelqu'un qui a dû fumer là-bas. Ok, quelqu'un a fumé. Et alors, à part le rapporter à notre cher délégué principal, tu peux faire quoi? Tu vois bien que tu ne trouves pas de preuves quoi que ce soit. Je vais attendre ce soir, je verrai si quelque chose se reproduit. Laisse tomber. Ou viens pas te plaindre après si tu te fais bouffer par un fantôme. Bah au moins, je me ferai bouffer. Parce que là, franchement, ça ne passe pas grand-chose. Bienvenue Mademoiselle Strawberry, comment tu vas? Merci pour ton message dans le chat et merci pour ton follow. Fan de... Amour sucré? J'allais dire Animal Crossing. Fan d'Animal Crossing? Ça y est, vous m'avez perdu. Détends ton temps, gars, tu veux. Mais il a pas l'air de vouloir nous bouffer le fiac, hein. Bonne nuit, Marianne! Bisous, ma vie! Au point de neuf, c'est le fantôme qu'on va pécho. Je suis désolée, j'ai même pas l'impression, en plus, quand je clique, de faire les mauvais choix, c'est ça le pire. Je suis encore pire que Soso, je pense, hein, premier tag. Ok. Cours. T'es encore en train de fouiner? Oui. Non, pas gymnase. Attends. J'ai fait cours. Couloir 2. Tout le monde est parti, enfin. Je ne suis pas sûre. Je vais vérifier qu'il n'y a plus personne avant de retourner là-bas pour être sûre. Ok. Nathaniel? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu m'as fiché la trouille. J'avais de la paperasse à faire encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien. Je veux voir si ce qui s'est passé l'autre jour se reproduit. Ok, bon ben, j'y vais alors. À demain. Bon, du coup, la salle déléguée, c'est vide. La cour, c'est vide. Le jardingue, c'est vide. Oh! Oh, les petits bruits d'ambiance. Tu veux qu'on se pêche dans la case d'escalier, Nat? Bon, il veut rentrer chez lui, il est pas fun. Le gymnase, c'est vide. Eh, un peu flippé premier degré, là. Hein, ok, bon, on peut y aller. Tout est vide. Bon, me revoilà. En y repensant bien, que ce soit Nathaniel ou Cassiel, il était vraiment bizarre quand je leur ai parlé de tout ça. Oh, serait-ce l'un des deux? Mmh, oh, j'ai quand même la trouille. Et en plus, je suis toute seule. Partir en courant. Mais non! Oh la conne. On était à ça, Soso. Putain, mais oui, elle est teubée. C'est ça, Léala. Ils avaient un date, en fait. Cassiel et Nathaniel. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. J'ai fini par détaler comme un lapin hier encore. J'ai un peu honte. Je vais voir si je retrouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. Oh, mais là, tu fais une fixette après ma vie, hein. Je ne sais pas si les fantômes existent vraiment, mais s'il y en a vraiment un ici, je serais morte de trouille. Hein. C'est quoi? Bloc-notes? Morceau de plastique triangulaire. Bah alors, on recycle pas ses déchets? Ça, c'est Cassiel a tout craché. Putain, la musique, ça va pas à la tête. Hein. Couloir principal. Nathaniel. Ah, il est pas là. La musique, qu'on me vienne en aide, elle est terrible. Moi, je dis on pêche au Rosa et on fait un plan 3 avec son gars. C'est qui son gars, du coup? Ah bah oui, c'est peut-être un spoiler, attends. Bah, vous me dites pas, en fait. La déchet. Ça, c'est un médiator. Qui c'est qui fait de la guitare? Qui c'est qui va nous jouer Wonderwall? And after all, in my Wonderwall. On sait pas encore. Emma. Tu crois qu'il y a un fantôme dans le lycée?
Ben, j'ai vu quelque chose de bizarre, Je ne crois pas aux fantômes, personnellement. Pourquoi il y a un cupcake qui vole, là? Il va où? Wesh, vous le voyez? C'est une hallucination collective? Coco, c'était toi? C'était toi? On a tous connu, de près ou de loin, quelqu'un qui se la pétait à la guitare en jouant Wonderwall. Pour essayer de pécho. Faut l'attraper. Ah bon? Et t'en fais quoi après? Ah, c'est des points, c'est des PA, non? C'est un cadeau. Shit. Désolée, je savais pas. Je savais pas du tout, je serai pour la prochaine fois. Il y a un veilleur de nuit dans l'océan. Non, je crois pas, mais ça me paraît une solution plutôt réaliste. Ouais, peut-être. Je sais pas pourquoi tout d'un coup elle a une voix cassée un peu sous son. Putain, mais il est pas là, hein? Trop occupé à jouer Wonderwall toute la nuit. Hein. Bouh! Attention aux fantômes! Les bouffonnes. Cassiel, il est encore apparu. J'hallucine, t'es encore allé traîner dans le lycée après les cours? Oui, et je l'ai encore vu. Ça m'étonnerait que tu aies vu quoi que ce soit. Comment tu sais que j'ai pu voir quoi que ce soit? Je suis partie en courant avant de voir quoi que ce soit. T'as rien vu, tu t'es fait flipper toute seule. Bah si, Soso, dis pas non. Elle dit non. Bah si, j'ai loqué. Nat peut me tap-tap ses fantômes bien au fond. Green. Ok. Regarde ce que j'ai trouvé. Et c'est mon médiateur. Oh, c'est lui qui joue Wonderwall. Today's gonna be the day. Faut sachez, Cassiel, qu'on a trouvé un bout de plastique triangulaire, ok? Oui, a priori, c'était le tien. C'était un déchet triangulaire, déjà, donc... But now, the stuff I thought that I had a damn pattern. I don't believe in anybody. Voilà, pour moi, Cassiel, c'est Wonderwall, maintenant. C'est bon, c'est trop. Grim. Oh, Grim, non, c'est trop. Tu parles du chien de la directrice, toujours, hein? Tu sais ce que c'est? Comment ça tu sais? Ouais, j'avoue, Valkyrie, un peu. Un peu. J'aime bien qu'on me résiste. Je suis toxique. Mais Coco, ça va pas de choc bar? Oh, Coco, tu sais, il y a plus rien qu'il a choc bar. Cassiel, toi et moi, fiaca fiac, ça te parle? Putain, vous m'avez perdu ce soir, c'est trop. C'est trop, c'est trop. La même toi aussi, tu fichis pépé. J'en ai vu des kikis dans ma longue vie. Toujours, on parle de Kiki le chien, hein. J'ai vu tes petites pommettes roses, là. Ouh. Un accessoire en plastique, un accessoire de guitare, moi je sais. Oh, et j'ai remonté de 5%, hein. Oui, le chien, bien sûr. Le chien de la directrice. Je pense qu'à moins 500, il n'y a pas de possibilité de crush immédiat. C'est une muerto pour Capons. Tu penses, Emma? Genre, je pourrais jamais rattraper mon coup avec Cassiel? Ça restera un amour impossible? C'est ça? Puis moi, je te suis vraiment chez moi, c'est terrible. J'étais tellement comme ça au lycée, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. C'était trop grave. Wep, allez, rends-le-moi. Il a dit wep. Minute! Minute, papillon! Il était dans la cage d'escalier. Et avec un calepin aussi. C'est toi qui squatte le soir? Oh, t'es en train de nous écrire des chansons? Oh putain, la musique! Ouais, je vais le garder en attendant de voir de quoi il retourne vraiment. Il est plutôt sexy, le fantôme. Peu de chance, oui, Capons. Mais arrête, Cotise. Franchement, je vais réfléchir beaucoup plus maintenant. Je vais me mettre dans la peau du personnage. Pour vraiment répondre ce qu'il veut entendre, en fait. Je vais plus du tout être moi-même, quoi. Un calepin avec des mots écrits dedans. Un cœur vivant, en vie, qui bat. Je suis à peu près sûre de ce que ce n'est pas un fantôme. Non, tu crois, Soso? Mais alors, qui squatte le lycée le soir? T'as pas une petite idée? Tu connais littéralement 4 personnes dans le lycée. C'est sûr, c'est une de ces 4 personnes. Charo, t'es ouf. Parce que quand tu réponds pour Soso, t'es toi-même. Non, mais moi, je suis Soso. J'incarne Soso. Je suis le personnage de Soso.
Avec des mots dedans. Ouais, non, mais Big Brain Energy, hein, je te jure, Emma. Big Brain Energy, là, vraiment. Je te laisse dire à tout le monde ce que tu en penses. Ah! Vas-y, Coco, dis-nous tout. J'ai pas les mots. Putain, j'ai envie de voir, du coup. Vous me dites trop... Je suis un bébou, moi. Y'a pas un truc d'un personnage gratuit pour remonter les... Pour remonter les points? Genre le truc de crush? Ouais, si c'est ça. Tu parles de ça, là? Coup de cœur? Oh, Ken. Ken, j'étais à 47%. Ah non, c'est trop. Oh man. Attends, j'étais en train de faire quoi? Ah ouais. Je veux trop voir Nathaniel et Cassiel en train de discuter au fond du couloir. Je peux voir Nathaniel et Cassiel en train de discuter au fond du couloir. Ah bon? Oh, c'est la première fois qu'on les a tous les deux ensemble en sandwich. En... Mais pareil, lunatiquement, hein. Je te l'envoie sur WhatsApp. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'ai peur. Ce pécho, c'est sûr. Mais oui, hein. C'est trop chou. Les en sandwich, oui. Ils ne se disputent même pas. C'est sûr, ils me cachent quelque chose. Oh ouais, alors non. C'est quoi, c'est un fanart, hein, c'est pas... Ah oui, alors là, pour le coup, en vrai, Fluff, tu serais choc barre aussi, je pense, hein. Ce pécho sucrète lâche l'affaire. Ouais, j'avoue, hein, il y a les... Ah non, alors là, vraiment... C'est Grim qui a fait le fanart, ou... Et, tu sais, il y a une bulle au-dessus de la tête du perso, il y a écrit « Va béné, ma béné » Je te jure, Angie, tu veux pas voir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. C'est ça, je suis pas venue pour souffrir, moi. Premier don avec cette photo, en plus, les photos de WhatsApp, elles sont rangées dans mon tel. Oh, cher de picture. Je laisserai Coco vous chérir ça en DM. C'est trop. Non. Après, c'est la curiosité qui parle, mais vous la voyez, c'est trop. C'est trop, c'est trop. En gros, sur le matin, on va Nathalie debout avec un haut, mais pas de bas. Et il y a son corps qui est très, très, très disproportionné et qui est entouré d'un petit ruban bleu comme un joli cadeau. Voilà. On peut pas décrire mieux. Voilà, voilà. Vos réponses sont... C'est une vision d'aurore avec laquelle je vais devoir vivre. Oui, c'est bah oui, c'est plus drôle que Smash pour le coup. La musique s'accélère. Si vous voulez la voir, faut venir MP, je contrôle les cartes d'identité. Oui, June par exemple. Oh, putain, je suis mort. Bref. Ils sont partis chacun de leur côté. Ils sont en train de parler du fantôme. Baptisem. Je sais pas s'il fait des trous dans son calbut lui aussi. Tu mens. Comment je vais faire pour être sûr de piéger ce fantôme, hein? Bah quoi? Tu me fumes. Je pense qu'il lui faut au moins ça pour aérer la marchandise, Tissem, tu verras. Ils sont partis parler du croquis de pâte. Pour un foyer, là, elle met le truc note. Oh putain, vous m'avez perdu. Coco m'a envoyé la photo et puis elle l'a décrite dans le chat.
Oh, le message épinglé, j'avais pas vu. Oh non, c'est trop pour moi, là, cette soirée, c'est trop. Oh. Oh, je suis en larmes. Ouh. Attends, il y a Soso qui attend la langue, là, sortie. Qu'on lui fasse faire quelque chose. Si, bébé. Tu me fatigues. Ouais, c'est ça, Emma, je pense, là. Ouh. Ce soir, c'est la bonne. Ce soir, elle se fait le fantôme. En tout bien, tout honneur. Cage escalier. Non, c'est pas ça? Ok, d'accord. J'ai cru qu'on y allait maintenant, mais c'est trop. Qu'est-ce que tu me caches? Allez, avoue tout. Je t'ai vu avec Cassiel tout à l'heure. Je vois pas de quoi tu parles. Oh! Tu me mens, là, c'est ça? On est à 0% d'affinité et tu me mens? C'est donc ça, le début de notre relation? Tu dois confondre, ça ne devait pas être moi. Pourquoi tu veux rien me dire? Je pense que depuis tout le temps, j'arrive quand même à vous connaître. Je pense que depuis tout le temps, j'arrive quand même à vous connaître. Ça fait une semaine qu'elle est à l'école, frère. Ah. Il y en avait une autre avec Cassiel et Nat ensemble. C'est trop. C'est trop, vraiment. Tu nous feras une petite description dans le chat. Ça me fume de rire, tes descriptions photos. Enfin, fanart, Coco. Pourquoi tu veux rien me dire hein? Bon, eh bien, si on... Oui, on discutait, ça arrive quand même quelques rares fois. Hein. Ah ouais, alors d'accord, donc moi, je dois lui faire passer un mot. Mais toi, après, tu peux t'appeler à discuter avec et vous parler de son kiki, quoi, si j'ai bien compris. Bon, eh bien, oui, on discutait, ça arrive. Faut vraiment te tirer les vers du nez. Qu'est-ce que vous mijotez? Vraiment, arrête de t'imaginer des choses, on a discuté un peu, c'est tout. Ouais, vous avez discuté de la pluie et du beau tang? Tu me la fais pas à moi, hein. Iris, elle est encore là, c'est bon, c'est trop... Elle est un peu plus sensuelle. Il nous ment droit dans les yeux. On est choc béton. Je te jure, hein. Mais oui, il est fou avec son corps qui se proportionne. Emma, Emma, t'es trop une queen. Vraiment, t'es trop une queen. T'as dit quoi, là? Plus sensuelle que le nœud autour du corgi. Le nœud autour du corgi. je ne sais pas, mais j'ai prévu d'y retourner une dernière fois aujourd'hui avec un appareil photo. À prendre le corgi en photo? Non, ça, ça se fait pas, par contre. Non. Non, non, non. Non, non, Iris. Pas sympa. Attends, c'est Iris ou c'est Soso? Il a plongé la tête dans ses papiers. Je crois qu'il fait semblant de ne pas me voir pour ne pas me parler. Oh, le Kong. Bon, eh ben, on va dans le couloir, non? Toujours pas? Putain, on va parler à l'autre troufiaque, là. Je t'ai vu avec Nathaniel. Nathaniel, je te montre du doigt. C'est bon? C'est bon pour toi? Tu nous as vus comme tu vois des fantômes? Oh, ils clashent trop bien. Ils clashent trop bien. J'avoue, Chandelle, ils jouent à quoi? Ils clashent trop bien, par contre. Bah ouais, ce sont des choses qui arrivent. Vous me parlez, vous me cachez quelque chose. Mais elle a... Genre, t'imagines? T'es dans un bahut, t'es à 0% avec quelqu'un et à 95%, moins 95% avec une autre. Et tu vas aller voir, vous me cachez des trucs. Mais il te déteste. Il y en a un, il est complètement indifférent à toi, et l'autre, il te déteste. Bien sûr qu'il te cache des choses. C'est lunaire. Ouais, non mais de fou, je suis trop d'accord avec ton message Coco sur Emma, trop chou. J'aime trop qu'on me clash comme ça, c'est bien fait. Ouais, en vrai là, c'est bien fait. Mais pas toi, tu le détestes. Eh bien, je l'aime pas, tu crois que j'ai la chance de jamais devoir lui adresser la parole? Ça te regarde pas, oh, vas-y. Merde. Tu es venu me harceler. Non, j'ai mis ce clic. Pour de vrai. Je peux toujours pas aller. Mais il se passe rien dans la salle d'escalier, là, dans la cage d'escalier. Bon, bah... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, il m'évite partout. Attends, il me manque un truc, là. Cours. Là, il veut pas. Gymnase. Oh, putain, Iris, qui voulait me parler. Merci, Ava. Bonne nuit. Repose-toi bien. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Ne vous inquiétez pas, c'est juste vraiment un parc d'attraction de job pour moi. Oh, t'es trop chou, Emma! Trop chou, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Iris, tu as raison, je suis sûre et certaine qu'il n'y a pas de fantôme, mais il y a bel et bien une personne qui squatte le lycée la nuit. Oh! Tu voudrais dire, peut-être, par exemple, à tout hasard, un jeune émancipé? Ils sont style légendaire juste à droite. Oh non, mais c'est trop. C'est trop, mais too much en plus. Hein. Vraiment, hein. Christina Cordula en sueur. Hein.
double sound là. C'est moi qui entends le double sound. Ah non, il y a qu'un sound. Putain, c'est. Merci beaucoup, Lydie. Merci pour Emma, c'est trop gentil. Mais c'est ça qui est trop beau aussi, Emma, avec les Capanzor, avec la commu. C'est qu'ils sont tellement gentils et accueillants. Vous êtes trop chou. Merci beaucoup, Lydie, pour Emma. Merci infiniment, ma vie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes trop chou. Non, je suis pas venue te harceler, toi. Casse-toi. Je vais aller dans mon hall, là. C'est bon. Toujours pas. Les gars, je dois faire quoi, là? Oui, d'accord. Ok, lui, il plonge sa tête dans les papiers. Mais attends, mais je dois faire quoi, là? Acheter un appareil photo. Ah, putain, j'avais pas vu, j'avais pas écouté. 12 golds? Mais c'est super cher. C'est bon. Ça y est, je suis armée de mon appareil photo et tout le monde est parti. Direction la cage d'escalier. Pas un bruit. Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatter sur le vif, il ne se passe plus rien. J'ai entendu le bruit. Ne fuis pas, ne fuis pas. Un peu de courage. Oh, chaleur. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est vraiment une bête de coïncidence. Je sais pas comment il fait le vendeur pour deviner ce dont on a besoin. Mais pourquoi l'outfit? Ah, c'est juste le t-shirt, ok. Ah, j'ai mal aux yeux. Plot twist. Vous avez tous cru que c'était Cassiel? Boom, c'est Nathaniel. Same blue ribbon as Nathaniel. Nathaniel, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le fantôme? Putain, j'avais pas vu le t-shirt Team Nathaniel. Oh non, c'est une dinguerie. Pas vraiment, non. Je me doutais que tu t'en démordais pas et que tu viendrais encore ce soir, alors je vais tout t'expliquer. Il y a une salle sous les escaliers, un peu comme une cave. Cassiel et Amélie s'en servent pour écouter leur musique. Ok. Y a pas de club de musique? Si, mais ils veulent... Le ruban bleu. Triggering quand on sait où il a traîné. Si, mais ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, penses-tu? D'accord. Vu que tu n'arrêtais pas de fouiner, on se demandait si on devait pas simplement te mettre au courant. C'est de ça dont on parlait dans le couloir. Tu ne diras rien, hein? Non, bien sûr que non. Génial, viens, je vais te présenter à Lysandre. J'ai suivi Nathaniel derrière la cage d'escalier. Il y a une porte avec des escaliers. Qui descendent, la salle en bas est toute vide, il m'a présenté à ce fameux Lysandre. J'ai suivi Nathaniel derrière la cage d'escalier. Il y a une porte avec des escaliers qui descendent. Ah, la salle en bas est toute vide. Il m'a présenté à ce fameux Lysandre. Putain, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Bonjour, ravi de te rencontrer. Salut, moi de même, je m'appelle Soso. Et toutes mes... oui, Coco. C'est quand je commence à me dire les phrases n'ont plus aucun sens alors qu'elles font du sens, mais bon, bref. Et toutes mes excuses aussi, je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec ton ami l'autre soir. Oh, no problem, as we said in English. Et puis, c'est pas vraiment mon ami. En plus, elle aura plus peur que moi, je crois. Attention qu'elle ait une nouvelle chance de que quelqu'un te kiffe. Ouais. Il a un look assez spécial, ce garçon. Oui, un petit peu pack vampire de Sims 4. On a continué à discuter un peu et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD. Les mégots, c'est Cassiel qui fume de temps en temps. Le médiator est à lui aussi. Pour finir, le bloc-notes est à Lysandre. Il écrit dessus ses idées pour ses chansons. Je lui ai rendu avec le médiator. Bien sûr. Je suis assez contente d'avoir enfin fait la lumière sur toutes ces affaires. Oh, si tu achetais un appareil photo pour lui au final, et je ne pourrais rien dire à Iris ou Ambre et ses copines. Retrouve l'appareil dans tes commandes et décore ta chambre avec si tu le souhaites. C'est pas tout ça, mais il se fait assez tard. Si je me dépêche pas de rentrer, ma mère va me tuer. On a une daronne? Purée. Attends. Je préfère te raccompagner. Il fait déjà nuit. Enfin, si tu veux bien. Oui.
On a marché toute la nuit jusque chez moi en discutant un peu de notre petit secret. Ce serait assez amusant si les élèves pensaient vraiment qu'il y avait un fantôme dans les locaux. Comment j'ai lu ? Un fantôme dans les locaux. Voir l'illustration de fin. Même sur les élus. C'est un jeu dangereux. C'est un jeu qui me plaît. C'est un jeu qui me plaît. Même sur les élus, elle me tape la honte. Après, la photo échoue. Ouais, oh, la photo échoue. Mais elle me tape la honte quand même. Elle est affreuse, celle-là. Elle échoue ! Arrêtez ! Ils se tiennent la main ? Ils se tiennent la main ? Fin de l'épisode 4. Ils se tiennent la main alors que je suis à moins 5. Elle fait enfant de 12 ans même pas. Tu trouves ? J'ai une petite fille, c'est vrai. Après, Coco m'a dit que les élus étaient toujours mal faites. Le nez inexistant. J'ai pas fait gaffe. JPP. Tata Tété en pense quoi de l'image avec le chronique de Nath ? Tata Tété, on pense quoi de l'image avec le gros kiki de Nat ? Mais je vous jure, mais le jeu serait 10 fois moins drôle sans vous. Vous êtes trop drôle, je vous jure. C'est trop. Le retour de Tata Tété, arrêtez de l'appeler comme ça. Je suis pépée. Ah, je suis cassée de fou, je suis cassée à Azef là. Grim, il me casse. C'est trop. Histoire. Alors, c'était super le fantôme. Moi, j'ai trop aimé. L'illustration, elle est à chier. Les tenues de l'épisode, on n'en parle pas. Comment ça, Team Nathaniel ? Bon, avec ton crush. J'ai eu un moment avec mon crush ? Merde, pardon, je suis pas centrée. Le moment avec Nathaniel ? C'était super. J'ai beaucoup aimé qu'on se tienne la main pour rentrer à la maison. Performance du jeu. Ah, le jeu, il a performé de fou. De fou malade. Le jeu, il a trop bien performé, vraiment. Bon, pour l'instant, who is the crush ? Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Attends, mes rencontres. Nathaniel Kassinken, Lisandre. Il est sagittaire comme moi. Non, pas du tout. Il est scorpion. Je suis cassée. Vraiment, ça me tue de rire. C'est trop. Après, il manque encore un boug et demi. Ah bon ? Il manque un boug et demi ? Le jeu serait aussi 10 fois moins drôle sans un Sex and the Beach et demi. Oui, probablement. C'est vrai aussi. Il manque du monde. Mais je vais pas choisir, Coco. Panique pas. Je vais pas cliquer sur coup de cœur. Je regarde juste. Bah Ken, déjà, c'est sûr, c'est pas notre coup de cœur, quoi. Ken a 23 ans. Oh, il s'appelle Quentin ! Semble très amoureux et ne s'en cache pas vraiment. Il est très gentil et serviable, un peu collant aussi. Il aime les biscuits au chocolat. Il déteste la nourriture épicée. Next. C'est quoi le demi ? Mais ouais. Zac Efron, il est où ? Pas là, apparemment. Non. Lisandre est plutôt mystérieux et ne parle pas beaucoup. Ça ne rend pas la tâche facile pour discuter avec lui. Ami avec Cassiel, il écrit des textes de chansons pour leur groupe de rock. La mode et l'époque victorienne. Il déteste les gens qui jugent au premier abord. Hein. Cassiel est un peu dur à approcher. Bon, à 95%. Ce n'est pas évident de parler avec lui ou de savoir ce qu'il pense, mais au fond, c'est sûrement quelqu'un de sympa. Malgré son mauvais caractère, il apprécie les gens qui ont du répondant. Nathaniel est le délégué principal du lycée. C'est un garçon sérieux avec qui il est plutôt facile de s'entendre. Je suis à moins 5 ! Il est responsable, calme et timide. Très sensible à la critique, son perfectionnisme ne saurait souffrir d'aucune critique. Okay. Il déteste les sucreries. C'est le nom du jeu. Fais un effort. C'est un boss bang de rock. De fou, hein ? De fou, hein ? Ah oui. Franchement, oui. Ah ! Ah, il y a d'agents aussi, on s'entendait bien.
Personnage uniquement disponible pendant l'épisode 3. Manger un fast-food après l'entraînement, les fils, trop superficiel. Ok. Mais du coup, on le reverra pas, lui, par exemple ? Ouais, c'est ça, Coco. L'handicap est incroyable. Attends, quoi ? Sachez que quand il est mon amoureux, personne ne le peut le critiquer. Les 12 comptes juste pour le pécho, lui, mon homme. Ok. Bah, franchement, dans le premier épisode, là, il était lourd. Amour acidulé. Je hurle. Bonne nuit, plouf ! Les filles, du coup, on a Ambre, Iris, Rosalia. Mais c'est qui son petit ami, là ? C'est Lisandre ? Peut-être ? Oh, le suspense est à son comble. Les autres. Madame Chermansky, Agatha, Tata Tété, quoi, comme on l'appelle dans le milieu. Tata Tété, comme on l'appelle dans le milieu. Et vous, j'essaie de préserver au max. Quentin va changer, quoi. Ah, je crois que je me suis auto-spoilée. On s'est auto-spoilé cet après-midi, Coco, tu m'as demandé qui était mon préféré sur l'image. Je t'ai montré un gars. Tu m'as dit, tu vas voir quand tu vas savoir son prénom et tout. Ça y est, bah j'ai compris. C'est ça le et demi. Bon, too late. Et qui va glow up. Oui, mais t'avais pas fait le lien. J'avais pas fait le lien, maintenant j'ai fait le lien. Maintenant tu l'as fait, exactement. Maintenant le lien a été fait. Le lien a été lié. C'est ça le demi, exactement. C'est le glow up de Quentin. Putain, j'ai tellement bien fait du coup de l'avoir encore dans la chepeau, là, 47%. Il va couper ses cheveux, il va plus avoir de lunettes. C'est toujours ça, les glow-up. Un Chamansky peut me frapper le fiac, pas Grim. Je le lien. Pas Grim. Agatha, Tata Tété, donc. Shinomimi, maîtresse du jeu. Véritable guide de la sucrète. Elle surgit au moment délicat, lorsque les objectifs nécessitent quelques éclaircissements. Monsieur Farez. Il a servi à quoi, Monsieur Farez ? Merci, Tom ! Comment tu vas ? Agatha Tété se fait téter les touches de crime. Comment tu vas, Tom? T'as loupé mon sucré. On est sur la fin du stream, là. Incroyable. Du coup, la bijouterie... Ah, mais je peux acheter des hauts aussi. Team Nathaniel, Team Cassiel. Pourquoi je peux acheter... Ah, je suis à la boutique de vêtements, là, ok. Putain, faut que je change de look, là. Regardez mon style, un peu. Non, c'est pas possible, ça. La banque. Oui, ok, j'y suis. Je viens d'y aller. Le lycée. La boutique de vêtements. Magasin bazar. Trop chiant qu'on peut pas acheter des trucs... Que quand c'est des missions, je veux dire. Pardon, je me suis arrêtée en cours de route. Oh, la bague argentée. Putain, j'ai la même! Il y a une pierre, c'est mon année de naissance. Une pierre, c'est l'année de naissance de Rob. Et une pierre, c'est l'année de naissance de mon fils. T'es chou? Oh, t'es trop chou, Tom. Trigger ruban. Ouais, il y a des rubans, ouais. Les rubans, ça doit partir maintenant. C'est un gros problème, les rubans. C'est quoi, ça? Ah, d'accord. Ok. Oh, mais on peut acheter des chaussettes même. Des shoes. Oh, pardon. Non. Ok. Oh, il y a... Ah, ça se met par-dessus les t-shirts. Non. Vraiment? Après, ruban ou non, je suis à genoux, Nat. je vais regarder Tom. Ah, d'accord. Non, parce que là, son style, il est quand même très aléatoire. Regardez son style avec ses choses, là. Il y a des nuisettes ou... Bah, un peu, hein. Attends, je vais aller dans mon appart. Placard. Donc là, je possède quand même pas mal de hauts. Ah, d'accord, ok. Oh ! Ah, mais d'accord, mais en fait... Le bleu, il est pas mal, hein.
Le bleu, il est sympa, hein. Enlevez tout. Ouais. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Chaussures, on met des petites Converse, quoi. Ok. Pourquoi il n'y a pas les chaussures rouges qu'on possède, là? Oh, tu, nous, en bas à gauche, pour essayer les vêtements et changer leur ordre. Ah, ok. Tu n'as aucun moment, hein. Bague en or, une jolie bague offerte par ta tante. Oh, merci, tata tété. Ok. Ah, j'ai des nouveaux sous-vêtements. Ah, merde. Ils se mettent par-dessus les fringues. Ah, merde. Alors, oui, mais non, en fait. Carrément, on peut mettre les sous-vêtements par-dessus les fringues. Bah, en vrai, go, hein. Il est moche, ce collier. Voilà. Sauvegarde ma tenue. Mon apparence a été sauvegardée. Et mon sac à main, je peux pas le virer? Le bouton de flèche. Comment ça? Ou les deux flèches? Ah, ça a changé l'ordre. Ok, d'accord, merci. Je peux pas virer le sac à main? Est-ce qu'il y a un genre de planning de stream ou c'est aléatoire au plaisir? Tu peux faire un point d'exclamation planning. Et du coup, t'auras les jours de stream et les heures. Point d'exclamation planning dans le chat. Alors, je ne pourrais pas être là dimanche pour voir la romance naissante. Oh non! Kenegrim, j'adore le nom. Mais si, tu viens de me dire les flèches pour changer l'ordre des vêtements. Ah, je peux enlever le sac. Ok. Mais le sac, je le retrouve où quand je veux le voir? Je comprends pas où il est, le sac. Si, je... Là, il a disparu. Non, mais pour retirer aussi. D'accord, mais là, le sac, il est perdu à tout jamais. De toute façon, il était pas bien. Allez, hop, c'est bon. No regret, just love. La flèche à droite du collier. Ah, ok. Attends. Dégage. À droite. Ah, il y en a encore après. Ah! Oh! C'est quoi? Pou. Sac à mingue. Accessoire. Talon. Ok, ok, j'ai compris. Désolée, je suis dure de la feuille. Aïe. Comme d'hab. Eh, chandelle! Oh! On va se battre, hein? Les autres catégories, il y a les robes aussi. Ouais, du coup, j'ai pas de robe. Je viens de capter, change d'apparence et tu feras tous craquer. Oui. Voilà, voilà. Désolée, quoi. Voilà, voilà. Change d'apparence et tu feras tous craquer. Ok. Non, mais dites-vous. Là, on est à High School épisode 4, mais il y a aussi Campus Life, Love Life, Alternate Life. On n'a pas fini de pécho, hein. Ou de pas pécho, d'ailleurs, hein. Oh my gosh, incroyable. Fuck, ils arminent, quoi. Oh, 50... Quoi 50%? Ah, 50%. Oui, ok, j'ai compris. Putain, vas-y, je suis dure de la feuille ce soir. C'est compliqué. Trigger point modification. En fait, tous les out of contact m'ont fait penser à un distributeur de mon université avec les concentrations de la case de ressources d'offre, comme par hasard. C'est pas un hasard du tout. J'avoue. Et attends, j'ai un signe astro? Signe du jour, vierge. Ah ouais? Gratte le cupcake. Ouais, moi, je vais pas gratter le cupcake. Hein, je vous le dis de suite. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Déjà, la moitié du lycée. Non, je pense pas. Il y a 40 épisodes. On est qu'au quatrième. Crime. Quelque chose, je l'ai mis ce cancer. On avait déterminé ça par vote à un club. Ah, c'est vrai, ouais. Tu vas pas te gratter le cupcake. Non, pas ce soir. Pas ce soir. On veut se faire gratter le cupcake. Putain, vous êtes tous trop forts, là. Un cerveau pour tout le monde, là. One shot, one brain. J'ai bébé. 50% du quatrième, a priori. Pourtant, je l'ai pas commencé encore. Sex on the beach, on the floor, on the ruban of Nathaniel. Oh, vous me fatiguez. Écoutez, les gars, merci pour cette soirée, mais tellement banger. J'ai beaucoup trop ri, c'était trop cool. J'ai trop hâte. Jeudi prochain, on continue ou pas? Est-ce que vous voulez continuer cette aventure de Zozo malade? La culotte en fond, là. Et oui, c'est la culotte de Soso. Ben oui, voilà. Elle est juste incroyable, hein. Elle l'a pas encore craqué, en tout cas dans cet épisode. Oui, oui. C'est trop chaud.
Ah, c'était trop cool. Merci beaucoup pour tout ça. C'était beaucoup trop drôle. Évidemment, merci à vous pour votre générosité, pour votre soutien, pour votre love. C'est juste incroyable. Merci à vous. Il faut qu'on continue. Ça me fait trop plaisir, en tout cas, de partager ce nouveau jeu, cette nouvelle aventure avec vous. On se marre beaucoup trop. Et voilà, merci d'avoir été là ce soir. Oh, t'es trop chou, Grim. Moi aussi, vous me manquez déjà. Mais tout va bien, on se retrouve demain, puisqu'on stream tous les jours, n'est-ce pas? Donc, on se retrouve demain à midi sur Coral Island. On va profiter de nos crushs autrement, mais surtout avancer sur notre ferme, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci à vous d'avoir été là. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, dormez bien, rêvez pas trop de rubans et de kiki et de corgi, enfin tout ça quoi. Enfin faites ce que vous voulez, en fait rêvez-en si vous en avez envie. Bisous, merci beaucoup d'avoir été là et merci pour tout, merci beaucoup beaucoup. Bisous les gars, à demain. Je vais me coucher, enfin je vais me démaquiller d'abord et tout ça hein, bien sûr, mais je vais aller me coucher heureuse et sereine et ouais super heureuse. Merci à vous pour tout, merci beaucoup. Bisous, à demain. Bye bye! Bye bye! Qu'au réveil écho maintenant! Bisous! Bye!